Bonjour. Bonjour, la reine Effa. Monsieur, tu es encore là? Bonjour. Donc j'ai intitulé ceci, ils vont regretter de vous avoir fait du mal. Vous êtes entré dans une saison. Je sais qu'il y en a qui vous m'écoutez depuis longtemps. Et on dit bien que tu ne peux pas diriger d'autres personnes si tu ne peux, si toi-même tu n'as pas déjà traversé la chose. L'année passée, j'ai traversé une période de dépression, isolation, recherche de moi-même. Mais surtout, j'ai brisé les barrières qui étaient sur ma vie. Et je me suis délivrée, je me suis sortie moi-même des malédictions générationnelles dans lesquelles ma famille était depuis des années. Donc je demande la présence du Saint-Esprit. Je demande la présence de la Vierge. La Reine du Ciel. La Maman de Jésus-Christ. Nous venons lui verser notre amour. Nous demandons qu'elle nous couvre. Demande la présence du Saint-Esprit et de Jésus-Christ de Nazareth. Esprit de vérité. Que tout ce qui était caché soit découvert. Que toutes les chaînes qui s'étaient dissimulées mais qui vous retenaient prisonniers soient découvertes. Que toute arme qui avait été forgée contre vous soit sans effet. Je demande aussi la direction divine pour vous guider. Que les réponses à vos questions viennent. Que le chemin vous soit donné. Éternel des armées, prononce-toi. J'appelle les anges, l'ange Michael, l'ange Raphaël, les chérubins, qui forment une protection autour de toute personne qui va écouter ceci. Que tous ceux qui ont cherché trouvent, que tous ceux à qui ont demandé qu'on leur donne, que tous ceux qui ont toqué, qu'on vous ouvre. Donnez-moi une seconde. Pour certaines personnes, votre chemin ne sera pas facile. Prendre votre bénédiction ne sera pas facile. Pendant que d'autres personnes vont avoir certaines choses facilement,
vous allez beaucoup ramer. Tu arrives quelque part, les gens ont le papier en un mois, en un an. Toi, c'est après 10 ans que tu obtiens pour toi. Donc, ce message est pour toi. J'ai des instructions pour toi. Le combat que tu as traversé n'était pas en vain. Tu avais l'impression que le Seigneur t'avait abandonné. Mais cela faisait partie d'un plan. Je vais lire Deutéronome 8. Ce passage m'a été donné par quelqu'un hier. Deutéronome 8, vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements. Bonjour, bonjour. Que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez et que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 42 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles seraient les dispositions de ton cœur, et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas. Il y a des sources de revenus que vous avez découvertes dans votre souffrance. Il y a des dons en vous que vous avez découverts pendant que vous étiez en train de souffrir. Tu ne savais pas que tu pouvais faire coiffer. Tu ne savais pas que tu pouvais te retrouver en train de fabriquer les papins. Tu ne savais pas que tu pouvais te retrouver en train de vendre les beignets. Tu ne savais même pas que tu savais préparer. Tu pouvais préparer et vendre un chouchon. C'était ta manne. Écoute-moi bien, parce que beaucoup d'entre vous, vous êtes en train de passer dans une... Vous êtes en train d'arriver dans le pays de l'abondance. Bonjour la reine Denise. Et dans ce pays de l'abondance, tu dois te rappeler d'où tu viens. Certains d'entre vous, c'est le mois-ci que vous allez concevoir. Après 15 ans. Certains d'entre vous, c'est le mois-ci qu'on va vous donner le visa. Ça fait déjà 8 fois, tu as dépensé 15 millions sur le visa. Bonjour la reine Madeleine. Bonjour le roi Martial. Bonjour Femme Togo, good morning. Certains d'entre vous, vos pouvoirs qui étaient cachés, vous vous êtes tout demandé, mais pourquoi je suis doué mais je souffre? Pourquoi je suis talentueux mais on ne me connaît pas? Il y avait une épreuve de cœur qui devait être traversée. Et je suis là pour vous dire que vous avez passé tout le test. M'entendez? Quand Dieu veut faire quelque chose dans votre vie, quand vous arrivez dans une étape de votre vie, Dieu doit envoyer quelqu'un pour que la personne vienne vous parler. Ça doit se faire à travers quelqu'un. Il y a une reine m'a dit, depuis qu'elle commençait à me suivre, elle a fait un rêve où j'étais en train de l'introniser. Et en l'intronisant dans le rêve, on lui disait qu'un roi ou une reine ne peut pas s'introniser seul. Même si quelqu'un de moins fort que toi, c'est lui qui doit venir t'introniser. Mais tu ne peux pas te faire être seul. Tu as besoin de quelqu'un qui va venir. On m'a dit, prends ça, tu mets ici, il va prendre. Prends ça, mets ici, il va prendre. Prends ça, mets ici, il va mettre. Voilà. Ça parle à ceux à qui ça parle. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Je vous souhaite la bienvenue. Je vous bénis. Partagez ma vidéo et puis likez aussi. Ça va aider pour les statistiques de Facebook. Donc, je lisais Deutéronome 8. Il t'a humilié, au verset 3. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim. Et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères.
Il y a des voies, des moyens de se faire de l'argent que vous venez de découvrir. Il y a des moyens de que vous ne connaissez pas vous. Vous voilà. C'est ça qui vous donne l'argent aujourd'hui. Hier, j'étais en train de passer sur TikTok. Et là, je tombe sur des... Ils appellent ça ASMR. Donc, c'est des gens qui viennent sur TikTok. Ils font des vidéos pour vous faire dormir. Genre, quelqu'un va venir faire comme le chat. Il va faire... Ou bien, il fait... Tu veux t'endormir. Je regarde pour ça, je dis, mais attendez. Ça, c'est con, ça. Mais regarde le nombre de spectateurs. Regarde l'argent qu'on donne à la personne qui est en train de faire. Il y a des voies et moyens de se faire de l'argent qui sont en train de naître chaque jour. Et certes, avant, vous étiez un peu bloqué dans votre esprit. Mais vous êtes en train de vous libérer maintenant. Vous êtes en train d'accepter, de comprendre. Deutéronome 8, verset 3. Afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Dans cette saison, vous allez... Parce que dans ce désert que vous avez traversé, s'il y a une chose que vous avez appris, c'est entendre la voix de Dieu. Hier le matin, tu t'es levé, tu n'avais même pas 5 euros sur toi. Dieu t'a dit, va dans telle rue, dans tel endroit. Tu es arrivé là-bas, quelqu'un t'a donné 20 euros. Donc tu connais la voix de Dieu. Tu peux même, peut-être tu peux oublier ton nom. Mais c'est un truc que tu connais. Tu connais quand Dieu te parle. Tu connais quand Dieu te parle. C'est dans cette phase-là que vous êtes. Et il y a maintenant des instructions concernant ce que vous allez faire. Parce que beaucoup d'entre vous êtes appelés à changer de carrière. En passant, il y a les bracelets qui sont maintenant disponibles. Les bracelets de protection. Donc, vous pouvez commander à partir de la France. Il y a le rose quartz. Il y a le blanc. Voici la tourmaline, black tourmaline, this one. L'œil de tigre. Ça c'est evil eye protection. Je ne sais pas comment on appelle tout ça en français. Donc même à Douala, il y a ça. Il y a ça à Libreville. France, Côte d'Ivoire, vous pouvez commander. Okay. Donc vous êtes dans une phase où je vais vous donner 7 points que vous devez encastrer dans vous. Parce qu'avant, vous étiez un peu éparpillé. Et le niveau spirituel que vous êtes en train d'atteindre, vous allez attirer beaucoup d'argent. Vous allez vous lever le matin comme ça. Dieu va dire, change de carrière. Je vais vous donner les métiers, les nouveaux métiers qui sont en train, les métiers des gens spirituels. Certains d'entre vous, vous allez être les masseurs. Vous allez faire le massage spirituel. Certains, vous allez faire le Reiki. Certains d'entre vous, vous allez faire le tarot marseillais. Certains d'entre vous, vous allez faire le coaching. Coaching, coach. Certains, vous allez faire de la cuisine saine. Peut-être pendant une période, tu as appris à manger sain. Tu vas devenir coach nutritionnel. Tu vas apprendre aux gens à manger sain pour guérir leur corps. Je vous donne les métiers que le Seigneur m'a mis à cœur. Certains d'entre vous, vous allez aider les gens à créer leur business. Certains, vous allez être seulement motivateur, coach motivateur. Certains, vous allez devenir guide spirituel. Certains, vous allez guérir. Ça, c'est toujours le Reiki. Hein. Vous allez guérir avec vos mains.
Donc les gens vont venir à vous pour que vous les guérissez avec les mots. Vous êtes mal touché, ils vont guérir. Et on va vous payer. Certains, vous allez faire des lavages spirituels. Les gens vont venir à vous, vous allez les laver. Ils vont partir. Voilà votre nouvelle source de revenus. Donc, vous êtes en train de quitter du formel normal pour entrer dans l'informel bizarre, anormal. Habituez-vous. Qu'est-ce que je vous ai dit? Habituez-vous. Donc, je continue le passage que je lisais. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tu n'avais pas connu tes pères, afin que tu apprennes que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de tout ce qui sort de la bouche éternelle. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Reconnais dans ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. Tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, pour marcher dans ses voies et pour le craindre. Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources et de lacs, qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes, pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers et de grenadiers. Certains d'entre vous, vous allez rentrer carrément physiquement, vous allez aller dans un autre pays. Certains d'entre vous, vous allez avoir des sources de revenus nouvelles qui vous permettront d'aller où vous voulez. Pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien. Pays dont les pierres sont du fer et les montagnes duquel tu tailleras les reins. Lorsque tu mangeras et tu te rassasiras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu au point de ne pas observer ses commandements. C'est quand vous prospérez que vous devez observer les commandements plus que jamais. La dîme, écoutez-moi bien. La dîme peut te faire rester. Le fait que tu ne payes pas ta dîme peut te faire rester dans un trou financier pendant longtemps. Et le problème que vous avez quand vous êtes dans le trou financier, c'est que vous dites que je n'ai pas de source de revenus, je fais comment? La dîme se paye sur tout argent qui touche ta main. Tu restes comme ça, on te donne 1000 francs. La dîme de 1000 francs, c'est 10, c'est 100 francs. Bonjour à tout le monde. On te donne 1000 francs. Tu n'as pas travaillé pour la personne. Ton gars te donne 25 000. Voilà une source de revenus. Dieu va te bénir par n'importe quel moyen. Et ceux qui ne travaillent pas font comment? Tu manges quoi aujourd'hui? Et pour commencer, paye toujours la dîme de ce que tu as dans ta poche. Supposons que tu m'écoutes là, tu as sur toi, en tout et pour tout, tu as 25 000, 50 000. Retire le 10% de ça, tu payes. C'est ce qui vous bloque. Je vous dis, moi. La dîme, c'est le prérequis, c'est la base, c'est la fondation. C'est comme si tu faisais ta maison, tu ne mettais pas le fer sur ça. Tu fais la fondation sans mettre le fer. Ça va tomber. Et tu peux te repentir de la dîme à tout moment. Ça fait 2 ans que je n'ai pas payé ma dîme. Ouais, vraiment, Seigneur, mes affaires ne vont pas. Seigneur, je demande pardon. Bon, actuellement, j'ai 1 million sur moi. Seigneur, je te demande pardon. Je prends 100 000 francs, je paye ma dîme. Le mois, là, tu vas voir comment tes finances vont tourner. Le mois, là. Il y a des gens sur qui ils travaillent souvent. Je travaille. Après, voilà, la personne n'avance pas. Ça m'embête. Un jour, le Saint-Esprit me dit, demande à la personne là. Et qui paye sa dîme? Il demande, tu payes ta dîme? Oh non, moi j'attendais de trouver le travail. Alors que dans les 10 derniers jours, on t'a donné l'argent.
Va payer ton école. Va payer ta nourriture. Paye ton loyer. Si ton loyer c'est 100 000, on te donne 100 000 pour payer ton loyer. Retire 10 000, ça tu payes ta dîme. Va donner 90 000 à ton bailleur. La reine Janine, ça ne fait pas longtemps. C'est toi qui n'étais pas sur ma page depuis longtemps. Tu as compris, Janine? Quand tu me dis que ça fait longtemps, ça me dit j'étais en direct. La dîme se paye là où tu es nourri spirituellement. Si tu sais que c'est sur ma page que tu reçois de la nourriture spirituelle et de la direction pour ta vie, actuellement, tu payes la dîme chez moi. Si tu sais que c'est chez ton père spirituel, chez qui tu pars, et que c'est lui qui impose les mains, quand il te prie pour toi, aux alentours, ta vie change. Va payer chez ton père spirituel. Si tu ne connais pas, demande au Saint-Esprit, il va te parler. Je précise que la dîme, ce n'est pas le salaire. On ne paye pas la dîme sur le salaire. Seulement. La dîme se paye sur tout ce qui touche ta main qu'on a dit que c'est pour toi. Tout argent qu'on prend, on dit que. Ou bien on dit co. Ou bien que, en fonction de votre village. Écoutez-moi bien. B te donne l'argent du loyer. B te donne l'argent du shopping. Oh mon bébé, tu sais, j'ai eu une rentrée de 3 millions de francs CFA. Prends 500 000, tu vas faire ton shopping. Écoute, ce n'est pas parce que B a dit que c'est pour le shopping que tu ne vas pas payer la dîme sur ça. Retire 50 000, tu vas payer ta dîme. Si tu es sage. Amen, Nadine, amen. La dîme protège. Oui, c'est 10%. Tu reçois 5000 euros, tu retires 500 euros, tu payes. Tu reçois 10 000 euros, tu retires 1000 euros, tu payes. Tu reçois 100 000 euros, tu retires 10 000 euros, tu payes. Tu demandes le crédit bancaire à la banque pour payer ta maison. Écoutez-moi bien. La banque te donne 200 000 euros. Je sais que ça fait mal. Retire 20 000 euros, tu payes ta dîme avec. Tu vois, au moins, tu vas payer la maison dans 3 ans. Tu ne vas pas comprendre comment. Oh, tu quand tu bouffes la tontine, par exemple, tu ne payes pas la dîme. Moi, personnellement, avant de faire cotiser ma tontine, j'ai déjà payé ma dîme sur l'argent que je cotise. C'est différent. Supposons que tu fais une tontine, tu bouffes 20 millions. Bon, c'est ça qu'on fait des tontines, vous bouffez 800 000. Tu fais la tontine, tu vas bouffer 20 millions. Et que chaque mois, quand tu donnais 1,5 million, les 1,5 million, là, tu avais à payer ta dîme avant de payer 1,5 million à la tontine. Quand tu vas bouffer la tontine, tu ne payes plus la dîme. Parce que tu as la, c'est un peu comme si tu économisais l'argent, tu déposais l'argent quelque part. Maintenant, il y a les tontines que je fais et quand ils prennent notre argent, ils réinvestissent l'argent. Donc, à la fin de la tontine, tu peux te retrouver que tu as cotisé 14 millions, mais on te donne 16 millions. Je sais que j'ai donné 14 millions. Maintenant, mon argent a produit 2 millions dans la banque, là, dans la tontine, là, pendant un an. Je paie maintenant la dîme sur les 2 millions qui sont dessus. Donc, je vous ai dit qu'il y a les bracelets. Vous commandez ça à Douala, Yaoundé, on vous envoie. Vous venez chercher. Prenez beaucoup, prenez le rose. Le rose aide à restaurer son énergie. L'amour de soi. Le noir, si ça protège contre les mauvais esprits, les attaques. L'œil de tigre, ça protège aussi et ça donne le courage. Ça, c'est ça. Avec l'œil là, tu vois l'œil bleu là. Ça protège contre les mauvais esprits.
les miroirs qu'on met pour voir ce que vous faites, les yeux qui vous guettent là, les jalousies, les choses comme ça. Le blanc, il faut que je lise encore bien pour le blanc. Je n'aime pas dire les choses que je ne maîtrise pas. Mes bracelets sont 6 000 et 7 000 francs. Celui qui coûte 7 000, c'est celui-ci. Les autres, c'est 6 000. C'était 5 000 avant, mais j'ai augmenté mon prix. Vous me dites en cash. Voilà. Ne prenez pas seulement un. Quand je vais investir mon argent dans quelque chose, hein, je dis toujours, si les bracelets, s'ils vont me protéger et me donner une énergie qui va me rapporter en plus 100 000 francs par jour, pourquoi ne pas sortir 30 000 francs? J'achète mes 6 bracelets, j'ai quitté ça. Je pense 30 000, j'ai investi aujourd'hui. Je sais qu'aujourd'hui j'ai 100 000, demain j'ai 100 000, après demain j'ai 100 000, après demain j'ai 100 000, après 100 000. Comme ça qu'on fait. Je dis pas, hey, qui va acheter ça? Hey, c'est cher. Regarde toujours ce que ça va te donner, même dans le business. Quand tu vas investir, regarde toujours. Oui, vous pouvez commander les bracelets avec les petits bâtons de commandement. Parce que avant, je faisais les longs bâtons de commandement, maintenant je fais les petits. Parce que les petits, vous, si tu mets dans ton sac à main, je sais que vous avez souvent les petits sacs à main là, tu mets ça dans ton sac à main. Les porte-clés aussi, donc vous pouvez les commander. Il dit que, laisse seulement comme ça la reine du ciel. Là, c'est la pureté. Vous savez qu'il n'y a que toi qui peux remarquer la blancheur de ce t-shirt. Voilà. Donc j'ai dit ceci. Je parlais de la team. Vous payez par OM, on peut vous poster ça. Hein. Douala, Yaoundé, Bafoussam, Gaoundéré, peu importe votre vie. Et je sais que vous simplifiez beaucoup le bâton de commandement. Le bâton de commandement n'est pas à prendre à la légère. J'ai tellement de témoignages de gens que le jour où il a eu le bâton de commandement, il rêve comment on vient l'attaquer dans le rêve. Il prend le bâton, il coupe la tête de tous les gens là. Une mère m'a marché 5 fois. Elle dit que la nuit là, quelqu'un est venu pour voler son enfant. Elle a pris son bâton, tapé la personne jusqu'à couper sa tête avec le bâton. Il y a des gens à qui l'esprit montre souvent. Il y a un autre de mes fils au Tchad. La semaine, il devait recevoir son bâton. Il rêve comment il est en train de se balader. Il prend l'avion. Il va dans un pays. Et quand il arrive dans le pays là, il prenait son bâton, il touchait la tête des gens avec. Les gens guérissaient. Les gens guérissaient. Parfois, le Saint-Esprit te montre. Mais je pense que les plus forts dans la spiritualité, c'est ceux qui marchent sans avoir eu de rêve, de rien. Mais tu sais que tu dois faire. Tu n'attends pas que d'avoir une vision, ou bien tu n'attends pas que le ciel s'ouvre, tu n'attends pas de voir, d'avoir un rêve. Non, tu le fais seulement. Bon, voici les instructions pour vous. Beaucoup d'entre vous, vous êtes appelés à. Certains vont même devenir magnétiques. Mais vous avez beaucoup résisté. Je ne sais pas ce que vous résistez. Le bâton, c'est 15 000. Le bâton de commandement, c'est 15 000 francs. Et les bracelets, c'est 6 000 et 7 000. Ça restaure l'amour de soi. Donc, je vais demander qu'on fasse les petits formats des bracelets pour les enfants. Courage, force, protection et protection. Voilà. Tu peux même prendre une couleur, ça, tu mets beaucoup. Mais tu prends même 3 ou 4 d'une même couleur. Bon. Voici vos instructions. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous devez être, surtout, je reçois beaucoup de messages pour les magnétiques là. Vous avez beaucoup résisté à votre appel. Vous êtes appelé à guérir les gens. Oh, joie. Vous comprenez, non? Vous êtes appelé à guérir les gens. Vous êtes appelé à utiliser vos dons que vous avez gardés pour vous seul, pour guérir les gens. Donc arrêtez d'être égoïste.
Certains d'entre vous vous disent toujours, je fais comment? Je ne sais pas, je fais comment? Je ne connais pas comment on utilise. Ce n'est pas sorcier. Il n'y a pas la sorcellerie sur ça. Ce n'est pas compliqué. En anglais, on dit, it's not rocket science. Premièrement, vous devez être courageux. Bonjour le roi Feuillot, je parlais même de toi tout à l'heure. Vous devez être courageux. La peur ne va pas vous aider. Il y en a parmi vous que l'esprit vous guide déjà. Un jour, j'étais dans le bus, je partais à Bafoussam. J'avais beaucoup travaillé, j'étais un peu fatigué. Donc, j'ai laissé le téléphone dans le sac, c'était au vibreur. Avec les vibrations du bus, tu ne pouvais même pas entendre. Donc, oui, Marie, si tu trouves ça au marché, tu peux acheter, hein, Marie. Tous mes conseils que je vous donne là, c'est dit que utilisez le laurier, utilisez le romarin. Si tu n'as pas le romarin, tu cherches dans ta ville, tu trouves là-bas, tu achètes. Donc, j'ai le téléphone dans le sac. Je m'assoupis un peu, je dors. Après, moi, je suis sorte. Quelque chose me dit, envoie la main dans le sac, prends le téléphone. Dès que je touche le téléphone, ça, le téléphone commence à vibrer. Dès que ça vibre, je décroche. La dame me dit, enfin, tu as décroché. Que le père m'a dit, je l'ai appelé, t'as appelé deux fois, tu n'as pas décroché. Le père m'a dit, essaye une troisième fois. C'est là qu'elle a eu mon attention. Parce que toute personne qui écoute le Saint-Esprit, moi, tu m'intéresses. Toute personne qui me dit, le père m'a dit de. Il m'a dit de. Et là, elle me dit, je ne peux plus résister, c'est bon, il faut que je vienne te voir. Il m'a dit de venir te voir. La puissance qu'il y avait sur cette femme. Elle est entrée dans mon bureau, elle, maman, l'onction de ça. Jesus. C'est comme si le pouvoir et le pouvoir se sont rencontrés. Donc, mais voilà, j'arrive à Bafoussam, elle vivait à Baganté, finalement je ne pouvais pas la voir. Elle, donc, elle s'est avancée sur le doigt là pour m'attendre. Elle a laissé ses enfants à la maison. Elle est venue. Elle dit qu'il m'a dit de venir te voir physiquement, que tu dois me toucher. Je viens. Bon, elle arrive, je la consulte, je lui donne les instructions. Chaque fois qu'elle parlait, je vois que la femme la vibrait. En fait, elle a les dons spirituels, mais elle avait peur, il y avait beaucoup de peur en elle. Et tu sais, parfois quand tu es dans une ville où c'est là-bas que tu as eu tes enfants, tu t'es marié, après ton mari t'a abandonné, ou bien maintenant on fait chambre séparée, tu es perdu un peu, tu vois, tu n'as pas confiance en toi. Et elle me dit que depuis qu'elle est tombée sur mes vidéos, elle sent comme sa puissance se remplit, comme si elle n'est pas folle. Parce que, tu vois, quand tu es seule à comprendre, tu entends ce que l'Esprit te dit. Ton mari te dit que tu es folle. Ton entourage dit, wow, pardon, qui t'avait tes choses là. Mais quand tu tombes sur une personne qui parle, et quand la personne parle, ton corps vibre. C'est là que tu te dis, mince, je savais que je ne suis pas folle. En fait, c'est ce que la dame, c'est ce qu'elle disait. Et là, elle a reçu les instructions parce qu'il lui avait dit qu'il faut qu'elle commence à travailler. Elle a commencé à travailler sur les gens. Mais tu vois, le truc, quand Dieu te dit que tu dois commencer à travailler sur les gens, c'est que tu commences à dire, oh, et si les gens ne viennent pas? Oh, et si les gens ne me croient pas? Oh, et si les faits, ça ne marche pas? Oh, et je suis sûr que vous savez de quoi je parle. Que, oh, qu'est-ce que ma famille va dire? Oh, on va dire que je suis devenu comme si. Oh, on va dire que je suis devenu marabout. Oh, on va dire que je... En fait, tu as tout ça qui va venir à ta tête. Tu vas commencer. Donc, certains d'entre vous, ça c'est ce que... Quand vous suivez mes vidéos, ça adresse ces inquiétudes-là. Écoutez, hein. Hier, je traversais mon téléphone. J'étais en train de parcourir mes photos. Depuis janvier... Le nombre de vies, le nombre de personnes qui m'ont envoyé leurs photos pour que je les lave. J'arrivais pas à croire. J'ai dit, mais Seigneur, toutes ces personnes que tu envoies à moi, mais moi. Parce que parfois, quand vous partez pour qu'on vous forme pour le boulot, on vous dit, oui, voilà, tu vas devenir, pour devenir médecin, tu dois faire ça, ça, ça. Donc, on met la logique derrière.
Et après, quand tu fais, tu pratiques ta médecine, tu crois que tu es trop fort. Non, moi, c'est parce que je suis puissante, j'ai bien étudié à l'école. Maintenant, l'Esprit me dit de te dire ceci. Jean 3, verset 27. Un homme, une femme, ne peut recevoir que ce qui a été donné, que ce qui lui a été donné du ciel. Même si tu es dans le trou, même si tu es au fin fond de Bangui, tu es au fin fond de Missoké, des gens vont venir à toi. Tu dois développer la ferme conviction à l'intérieur de toi. Car ce n'est pas toi qui fais le travail. Je suis consciente que parce que quand vous venez à moi, là, ce n'est pas parce que je suis la plus forte. Vous avez vu, vous avez, certains d'entre vous, vous avez même dit marabout. Vous suivez même 10 coachs, 10 marabouts, 50 prêtres, 20 pasteurs. Je sais. C'est pour ça que dans le tas, je dis toujours, je fais ma part. Bonjour la reine Marie-Noël. Je fais ma part. Quand vous allez commencer à travailler, vous devez comprendre. Dans le royaume, on est équipé pour aider. On ne cherche pas à être là. Je suis la meilleure guérisseuse. Franchement, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Parce qu'à un moment, les gens vont se venir avec l'écho. Tu es mieux que la femme. Hein. Quand quelqu'un vient devant moi et me dit, je suis parti chez tel marabout, il n'a même pas fait mieux que toi. Je suis parti. Quand il commande des conseils, il ne veut même pas. Parfois, il vous chasse même. Tu viens devant moi. Si c'est Dieu qui t'a amené à moi, dis-moi que le Saint-Esprit est venu chez toi. Ma grand-mère est venue dans le rêve, elle m'a dit, venez. Ne viens pas me dire, oh, telle personne ne fait pas bien. Toi, tu es la meilleure. Je n'ai pas besoin de vos acrobaties, de vos péripéties, de vos fleurs. Parce qu'elle me nourrit de vos fleurs. Demain, quand ce seront les cailloux que vous allez lancer sur moi, c'est ça qui va me tuer. Or, ce n'est pas vous qui m'avez fait. Donc, certains d'entre vous devez vous passer de l'approbation des gens. Vous devez vous passer des mots, des flatteries des gens. Parce que quand quelqu'un est trop, il y a des personnes qui vont venir, vont te flatter parce qu'ils payent bien. Oh, comme il t'a donné 3 millions pour que tu fasses mon travail, maintenant il va vouloir te dire ce que tu dois faire. Il dit non. Alors, work that way. Ne fonctionne pas comme ça. Je fais ce que l'Esprit me dit de faire. Ce n'est pas toi qui me guide. Donc, si vous prenez les flatteries de certaines personnes, après ces personnes vont vouloir venir diriger votre travail. Donc, faites très attention. Et vous devez faire croire, vous devez faire confiance, pardon. Ayez confiance que c'est Dieu qui a commencé. C'est Dieu qui a commencé. Ce n'est que lui qui va finir dans ta vie. Personne ne peut t'élever si Dieu ne t'élève. Ce ministère-ci, l'année passée en juin, j'étais engagée à quelqu'un, j'étais fiancée à quelqu'un qui me faisait beaucoup de chantage. Parce que la personne voulait maîtriser tout de moi. C'est-à-dire, la personne payait mon loyer, payait le loyer de mon bureau, payait même mes employés. Donc, il suffisait seulement que la personne dit, tu veux quoi? Tu veux quoi? Mais s'il y a un truc que la personne ne voulait pas, c'est que je suivais ce que l'Esprit me dit de faire. Donc, un jour, je rencontre un monsieur. Première chose qu'il me dit, pourquoi tu n'enseignes pas la parole dans ton centre avec les enfants? Je vous assure, j'avais des enfants qui étaient tellement têtus. En passant, ceux qui vont m'envoyer leurs enfants pour les vacances, je vais enseigner la parole aussi. Hein. Il y aura des séances où on va enseigner la parole. Tout ce que vous enseignez, c'est là. Quand il m'a dit ça, il restait une semaine de classe, de cours. Je m'asseyais moi-même personnellement le matin avec les enfants. Je prenais la Bible. Je stabilise cette connexion au nom de Jésus. Donc, des enfants de 3 ans, 5 ans, 15 ans. La connexion, c'est... Donc, j'espère que la connexion sera un peu plus stable. Donc, la première chose qui m'a mis à cœur, pourquoi tu ne lis pas la parole avec les enfants?
Je commence donc. Je vous assure, les enfants les plus têtus que j'avais au centre, parce que je dis aussi avec la têtutesse, les enfants les plus têtus que j'avais, quand on a commencé à lire la parole, on avait même fait une scène théâtrale sur l'histoire de Ruth. Les enfants les plus têtus, il fallait voir comment ils sont impliqués dans le théâtre là. Quand ils parlent encore de ça, je sens la chair de poule. Donc, sachez que cette année, premier jour, dès le premier jour, lecture de la parole. Deuxième chose, l'Esprit me dit, arrête ta relation. Romps les fiançailles. Le même soir, à l'instant, quand je parlais avec le monsieur, j'enlève la bague sur mon doigt. Et ça devait être peut-être le 14 août. Ce n'était pas en juin, c'était en août. Parce qu'on a fini les cours de vacances le 27 août. Le 17 août, l'Esprit me conduit à aller au bord de l'eau à Limbé. Je pars. J'arrive là-bas. Je peux dire que c'est là que j'ai été me consacrer. Je suis resté devant l'eau. J'avais les pieds dans l'eau. Je suis resté là-bas même 30 minutes. J'ai écouté. Carole Okono. Toute personne qui vient ici se plaindre, ça ne marche pas. Prends les jours de jeûne, tu fais. Tu mets l'eau dans le pipi. Tu mets le pipi dans l'eau, tu te laves avec, tu parles, tu fais des prières. Je rentre de Limbé le 17. Le 19, j'arrive au centre comme ça, là, je suis inspiré à faire un direct. Dans le direct, là, j'étais sur l'eau, en train de pédaler. Le direct, là, en 4 jours, était à 20 000 vues. C'est ça qui a ouvert tout. C'est comme si on avait percé le truc. On avait ouvert, je ne sais même pas. Quand j'ai arrêté la relation, là, c'était une relation qui m'avait beaucoup tiraillé. J'étais attachée de façon très bizarre, pas saine du tout, à cette personne. Il y avait des moments où je rêvais, je me voyais souvent dans la maison de la personne. Je cherche à fuir, je cherche à sortir fatigué. Je tourne, après je reste. Quand l'Esprit m'a délivré l'année passée, mes dons, septembre, c'est là que j'ai commencé le ministère. En l'espace de 3 semaines, tout ce que la personne-là me promettait, le Seigneur m'a donné à 3 semaines. Tout. 3 semaines. Ça fait 9 mois. Oui. 8 mois. Imaginez alors maintenant. Donc, comment on dit que bless beyond measure? Beaucoup d'entre vous, vous êtes à une obéissance de votre bénédiction. Il vous manque une obéissance. One. Et quand je vous parle comme ça, c'est dans votre cœur, ça vient. Fais ça. Vous devez être courageux. Et c'est quelqu'un qui me faisait trop le chantage financier. Merci la reine Marie Noël. Bonjour la reine Inès. Et c'était toujours genre, sans moi, tu ne peux rien faire. Et je savais en moi que j'ai des dons. J'utilisais mes dons pour guérir les gens, pour conseiller les gens, pour restaurer les familles. Mais ça n'avait pas encore cliqué pour que mes dons me donnent l'argent. J'avais eu toutes les scènes et tout le temps de chômage avec la personne. Toutes les scènes. À un moment, la personne dit, oui, tu ne réussiras pas sans moi. Après quelques temps, ouais, je suis désolée, excuse-moi.
Après, oui, tu es une sorcière, tu fais maintenant la sorcellerie sur Facebook. Wow, oui, voilà, regarde, tu as laissé le Seigneur, tout voilà maintenant. Oui, j'ai toujours su que tu étais une sorcière. Qu'est-ce que je n'ai pas reçu? Quel genre de flèche je n'ai pas reçu de la personne? Jusqu'aujourd'hui, même répondre que ah, je n'ai pas répondu. Et s'il y a une chose que j'ai eue, c'est le courage d'avoir confiance en mes dons. De savoir que je peux parler. Les démons sortent du corps de quelqu'un. Je peux me trouver à Douala, je parle. Un démon quitte à Paris, dans le corps de quelqu'un, il quitte. Et c'est, vous savez que vous avez le pouvoir là. Quand il parle comme ça, là, ça résonne en vous, vous savez. Écrivez ici là, je sais. Je vous en prie, écrivez, je sais. Merci Père l'Afrique. De rien la reine Inès. Voilà, tu sais. La reine blanche, tu sais, Marie blanche. Le roi Feuillot, tu sais, je vais me décider sur toi, le roi Feuillot, je vais te bousculer. Je vais te bousculer, toi, toi là. Ce n'est pas à tout moment que vous allez voir jusqu'au bout. Mais il y a une chose, vous devez savoir que le Seigneur ne m'abandonnera pas. Dieu ne peut pas m'amener ici, là, il ne me laisse pas. Never. Il ne peut pas, ça ne fait pas partie de ses... Il n'est pas comme ça. Matthieu chapitre 28. Après, on va lire Marc chapitre 16. Matthieu 28, verset 18. Jésus s'étant approché, leur parla. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Maintenant, il vous donne le même pouvoir. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça veut dire que même aujourd'hui, il est avec toi. Aujourd'hui là, il est avec toi. La reine Marie Tchamo, qu'il en soit ainsi, qu'on se rencontre. Au nom de Jésus. Jésus Christ. Marc. Marc chapitre 16, verset 15. Puis il leur dit, allez partout dans le monde, prêchez la bonne nouvelle à la création. La bonne nouvelle, ça veut dire ceci. Luc 4, verset 18. Pauvre, tu n'as plus besoin d'être pauvre, sors de ta pauvreté. Bonjour le roi Wafo. Celui qui a le cœur brisé, je te guéris. Sors de ta captivité maintenant. Sors de ta prison. Anne-Marie, donc t'as arrêté comme la reine de la chefferie, la meuf. Félicitations. Il y a d'autres instructions pour toi qui arrivent. Contacte-moi Inbox. Je vais voir ce que l'Esprit a dit pour toi. Ceux qui ne voyaient pas, j'ouvre vos yeux maintenant. J'ouvre vos yeux spirituels et physiques. Ceux qui étaient opprimés, je vous libère de toute oppression. On ne peut plus vous faire du chantage. On ne peut plus vous faire de l'oppression, du chantage. J'entends beaucoup le mot chantage. Beaucoup d'entre vous, vous êtes bloqués là où vous êtes parce que vous pensez que vous êtes bloqués. Oh, je vais faire comment?
Que je vais faire comment? Verset 16, Marc 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront les serpents. S'ils boivent un breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allaient prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux. Tapez vos doigts là deux fois. Marc 16, verset 20. Ça, c'est le passage de quelqu'un là-bas. Le Seigneur travaillait avec eux. Est-ce que vous croyez que vous travaillez seul? Quand il fait souvent mes lavages, là, si vous savez le nombre d'entités, le nombre de principalités qui sont là, les rois et les reines, les anges, les chérubins, ceux qui sont ici dans la salle avec moi. Est-ce que vous savez que Marie danse souvent? Je ne sais pas pourquoi je reçois ça à l'instant. Marie danse souvent. Il y a des moments, elle est contente au ciel. Elle danse. Elle fait plein de musique. Elle dit DJ. Ces gens, ce sont très marrants aussi. Je sais que vous ne le savez pas. Ok. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui accompagnaient. Le roi Fleur, tu riais. Il y a une personne qui m'a dit hier, une de mes sœurs, quand ma mère nous a accouchés, on était trois enfants en fait. Elle danse jusqu'à faire le bal à terre. Je me dis que Marie fait le bal à terre. Maman Marie, tu vois ta fille là-bas, tu la vois. Tu la vois. Elle dit que tu fais le bal à terre. Ouais, Seigneur. L'autre dit qu'elle doit avoir les pichets. J'ai eu un ange habillé en soeur qui est venu en songe. Elle n'arrivait plus à remonter au ciel. Elle était très gênée. Waouh! Ok. Donc, beaucoup d'entre vous, vous allez arrêter de douter de vous. Donc, ils m'ont demandé de faire à nouveau un séminaire, comment transformer ses dons en argent, comment monétiser ses dons. Donc dans la nuit de, généralement je fais mes séminaires la nuit, donc ceux qui sont à l'étranger, je fais généralement mes séminaires de minuit à 4 heures, bizarre. Donc on va programmer un. Ceux qui sont au Cameroun, vous pourrez venir sur place assister. Donc, on va mettre ça dans la nuit de... Il faut que je sois au Cameroun dans cette période-là. Nous sommes le 40e. Nous sommes le 23. 23. 24, 25, 26, 27, 28. Donc, on va mettre la nuit du 28 au 29. Donc, de dimanche à lundi. Voilà. On sera 50 000 francs par personne. Ouais, c'est moins cher. Donc, ceux qui sont à Douala, vous allez venir sur place pour ça. Ce sera pendant toute la nuit. Vous allez venir avec les cahiers parce qu'il faut que... Je dois absolument... Vous devez apprendre à monétiser vos dons. Mais le tout, si... Ça, c'est un combat que je mène depuis au moins 3 ans. Hein. Que les enfants de Dieu monétisent le don. Donc, cette nuit-là, on va faire beaucoup de pratiques. De la pratique.
J'ai ramassé un foulard rouge. Ok, le roi Wafo. Toi, je sais que tes rêves sont très puissants. Cette nuit-là, on va aussi faire un lavage. On va aussi faire un lavage pour enlever les malédictions, les freins. On fera lavage et on fera enseignement, une sorte de séminaire. Donc, c'était un foulard rouge. Sur le foulard rouge, il y avait une croix en bleu ciel. D'accord. Merci le roi Wafo. Je crois aussi qu'il y aura une impartation. Je vais devoir passer des. C'est ce qu'on me dit. Je vais devoir passer des pouvoirs à certaines personnes. Je vais devoir activer certaines personnes. Délivrer aussi d'autres personnes. Pourquoi la nuit? Parce que beaucoup de personnes travaillent dans la journée. Tu as compris, le roi Mundukpe. Tu ne maîtrises pas tes dons, tu peux assister. C'est le but du truc en fait. Parce que ce n'est pas pour les gens qui maîtrisent forcément leurs dons. Il y a les lavages aujourd'hui, les lundis et les jeudis, je fais les lavages. L'autre jour, je fais samedi parce que j'avais fait les lavages mercredi. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent dans la journée. Donc. Et puis quand vous cherchez, quand vous commencez à devenir entrepreneur, vous travaillez à tout moment. Hein. Merci le roi Wafo. Bonjour le roi Pelo, comment tu vas? Ces choses-là, c'est progressivement. Il y en a qui ont assisté même à 5 séminaires. Les oiseaux sont des messagers divins. Il ne faut pas chasser les oiseaux. Donc, je disais, certains d'entre vous, vous allez devoir prouver que vous croyez en vos rêves. Et je le précise que ce que je fais, ce n'est pas pour tout le monde. Vous comprenez, non? Ce n'est pas tout le monde qui est censé venir à mon truc. C'est pas tout le monde. Donc moi, il force même plus. Il y a des jours qu'il force plus. Je force plus. Je n'ai pas été envoyé à tout le monde. Tu peux m'écouter ici là 5 ans, 10 ans. Et on n'arrive jamais à se voir physiquement. Donc, tu n'achètes jamais un de mes produits. Et moi, je suis OK avec ça. I'm good, you know, I'm good. Par contre, j'ai des gens qui me disent, le premier jour, tombé sur mon salon. C'est comme si la personne a me cherché depuis. Le lendemain, on se rencontre. Ou bien le jour là, même la personne me parle au téléphone. Donc, quand vous allez commencer aussi à pratiquer votre art, vous devez comprendre que vous n'êtes pas appelé à tout le monde. Parce qu'il y a des prix sur vos services que Dieu va vous dire de mettre. Le roi Wafo, il y a des gens qui, parfois ils sont un peu fous dans leur tête là. Parfois ils ne les adressent même plus. Tu dors, Dieu vient te dire qu'achète le kit de blocage. Tu te réveilles, tu viens me dire que Dieu t'a dit, que tu as rêvé, que tu as acheté le kit de blocage. Si tu veux, tu achètes, tu veux, tu n'achètes pas. Tu comprends? N'achète pas. Vous aimez qu'on vous force pour que vous fassiez les choses. Ne fais pas. Tu as compris, papa ou maman? Ne fais pas. Oui, tu peux boire la poudre là pendant les menstrues. Oui. Parce que vous êtes habitué que quand quelqu'un, les gens courent derrière vous. Oh, venez, 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 venez. Bonjour et Christiane. Et parfois, Dieu, vous n'avez pas l'argent, hein. C'est ça que le Seigneur me dit aussi. Qu'il y a certains de mes produits que vous allez entendre comme ça, vous allez entendre le prix. À l'instant, vous n'avez pas l'argent.
Mais Dieu va te dire, déclare que tu vas acheter la chose, ou bien déclare que tu vas partir à ce séminaire, déclare que tu vas faire telle chose. Et quand tu vas déclarer, c'est comme s'il y a des choses qui vont se mettre en action. Un, deux, trois jours, l'argent de ça va venir net. Voilà. Donc, vous devez comprendre que vous n'êtes pas appelé à tout le monde. Vous devez comprendre, payer votre dîme aussi, j'ai beaucoup insisté là-dessus. Vous devez voir grand aussi. Anne-Marie, ah bon, hein? J'étais vue le même jour, j'ai tout fait. Assiste tout. Tu crois que les gens partent en boîte de nuit, ici, là, ils dansent là-bas au ciel, ils dansent pas aussi. Donc, vous devez voir grand. Le problème aussi de beaucoup de choisis, même moi encore hier soir, le Seigneur me rappelait. Parfois, quand le matin arrive comme ça, là, je fixe mes objectifs trop petits. Exactement, le roi Wafo. Même Dieu le même, si tu as venu, j'ai. Donc, le Seigneur me disait que je vois petit, c'est-à-dire, tu peux peut-être rester, ton objectif de la journée, c'est 300 000. Dieu te dit, mais pourquoi tu ne vises pas 3 millions? Qu'est-ce qui t'empêche de faire un projet pour 30 millions? Que le mois-ci, il me faut 50 millions. Qu'est-ce qui t'empêche? Rien, non. Mais toi-même, non. N'est-ce pas? Parce que tu vas dire, ah, je n'ai même pas 50 000 pour l'instant. Comment est-ce qu'il peut dire que je vais faire le projet de 3 millions? Les voies de Dieu sont impénétrables. Ne cherche pas à savoir comment. Quand Dieu te dit écris, déclare, fais, fais seulement. Vous devez voir grand. Vous devez aussi prendre l'habitude d'écrire ce que vous voyez. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur le rituel de écrire, quand on paye sa dîme, d'écrire ce qu'on demande à Dieu. Tu écris. Tu envoies ta dîme. Ceux qui sont en dehors là, si vous ne faites pas vos dépôts de dîme par Orange Money ou MTN Money, vous pouvez venir aussi au bureau là-bas. Quand ils reçoivent, ils me donnent, ils passent le message pour vos dîmes. Donc, par cette même opportunité, je bénis toutes les dîmes qui ont été payées la semaine passée. Seigneur, généralement, vous recevez un message de moi. Et je dis toujours, quand vous payez, faites-moi un message au WhatsApp. Voilà, j'ai payé ma dîme. Et parfois aussi, vous mettez le message que vous avez écrit pendant que vous étiez en train de payer votre dîme. Qu'est-ce que vous avez demandé à Dieu? Donc, je bénis toutes les dîmes qui ont été payées le mois passé, la semaine passée, hier aussi. Il y a une jeune fille là, elle me contacte l'autre jour. Elle me dit, j'ai écouté ton enseignement sur la dîme. C'est très puissant, ouais. Je viens de recevoir 5 000, je paye ma dîme. Elle m'écrit à 21h40, elle paye 500. 23h, elle dit que je viens encore de recevoir 5 000. Le lendemain, elle dit, je viens encore de recevoir 5 000. J'ai commencé à rire, j'ai dit que voilà, enfin, c'est là. Donc, vous devez écrire ce que vous voyez et que vous demandez. Le numéro pour la dîme, le numéro MTN, c'est le 680-71-0701. Donc, 00237. 680-71-0701. Si vous mettez, si vous envoyez sur TapTapSend, vous utilisez le nom Jocelyne. Il y a certains qui écrivent même que je règne Jocelyne. Écrivez n'importe quoi, ça va passer. Si vous déposez sur Orange Money, vous allez toujours voir le nom Jocelyne qui va s'afficher. Donc 680-71-0701. Orange maintenant. 6 93 50 22 66. 6 93 50 22 66. Assise tout, ça c'est pas mon numéro. 680 71 07 01. Donc efface ton message. Le roi Wafo.
Mon bracelet là s'est coupé, mon courrier là, mon truc, j'avais ça sur un collier. Ça s'est coupé. Donc il faut que je demande qu'on mette ça sur. Qu'on refasse ça. Ça s'est coupé, j'ai ramassé, j'ai mis ça dans une bouteille. Donc il faut que je demande qu'on me le refasse. D'ailleurs, les ancêtres me parlaient de ça avant-hier. Donc 680 71 07 01 et puis 693 50 22 66. La dîme, généralement, c'est 10% de ton bénéfice, profit, salaire, peu importe ce que tu veux. 10%. Il y a des personnes qui ont leur engagement personnel avec Dieu qui payent même 20%. Ça dépend de toi et Dieu. Parce que quand tu payes ta dîme, ça dépend de ce que tu as demandé à Dieu. Seigneur, je fais ce sacrifice, je décide qu'à partir d'aujourd'hui, je vais faire ça. Je vais payer 15%, ce sera ma dîme. Ça dépend. Chacun a son accord, son alliance avec Dieu. Je ne suis qu'un messager, un canal par lequel Dieu te parle. Et que toi, quand tu reçois ton message, tu dis, Seigneur, merci de m'avoir parlé à travers ce canal. Pour te remercier, Seigneur, je viens, je retourne mon offrande à travers ce canal. C'est ça. Donc, vous confirmez sur le numéro 693 50 22 66. Celui-là, je vais voir. Si vous envoyez même sur l'autre, la secrétaire va me faire suivre le message. 693 50 22 66. Voilà. Ceux qui sont au Gabon, le numéro de contact, c'est le 0741 800 80. Donc 0741 800 80. N'écrivez pas de faux numéros ici. 693 50 22 66. Ce n'est pas 86. Tu as compris, Janine? Ça, ce n'est pas mon numéro. Je sais qu'Assiste-toi fait ce même truc. Ce n'est pas mon numéro là-bas. Voilà. Et j'insiste sur l'importance de voir grand parce que ceux qui payent les dîmes, offrandes et tout ça, là, vous avez. C'est comme si vous avez un compte bancaire spirituel tellement plein. Mais vous ne cachez pas l'argent, c'est-à-dire que vous ne retirez pas l'argent parce que vous ne voyez pas grand. Vous n'avez pas les projets. Vous comprenez, non? Parce que vous n'avez pas les projets. Du coup, Dieu ne peut pas faire quelque chose. Et la peur, ceux qui ont peur, peut-être tu arrives quelque part, Dieu te dit, investis, prends la maison là. Tu m'as meublé. Ah, qui va venir? Je vais trouver les clients. Hey, qui va venir? Le truc, quand tu sors ton argent, pétadine. Ha, chakaraba, chikata. Leko, chakaraba, kasa. Seigneur, ouvre-moi les écluses des cieux. Seigneur, donne-moi les idées. Éternel des armées. Je reçois sur cette terre la bénédiction. Je déclare selon Genèse chapitre 26, au verset 12. Isaac a semé. Et moi, je sème dans cette année. Je déclare que tu me multiplies cet argent par 100 et tu me le retournes dans cette année, Seigneur. Écoutez, Jacques, chapitre 5, c'est la prière fervente du juste. Tu enchaînes jusqu'à le feu sort sur ça. Je vais voir comment le mois là, tu ne vas pas créer de business. Parce que quand tu payes ta dîme, tu vas savoir que tu as la protection. C'est pour ça que je n'aime pas que quelqu'un vienne me donner les doubles sur mon business. Tu as beaucoup de trucs que tu fais, ça va marcher. Je dis, t'as canon. T'as canon. Quand je fais mes trucs avec Dieu, tu n'es pas là. Bonjour la reine Saint-Dieu. Que tu n'es pas là. Pourquoi vous laissez les gens parler d'un. Ils viennent vous parler d'un truc alors qu'ils n'étaient pas là quand tu faisais ton truc avec Dieu. Même moi à qui tu payes ta dîme, je n'ai pas le droit de parler. Je ne connais pas ce que ton cœur a demandé. Je viens seulement te dire Amen, je m'accorde avec toi. Amen. Il y a même certains de vos pasteurs, que vous ne devez même pas leur dire vos rêves. Ouais, Seigneur, je vais aller m'installer aux États-Unis. Seigneur, par cette dîme que je paye, tu me donnes le billet d'avion, tu m'ouvres. Il dit, ah, donc tu veux quitter l'église.
Ma soeur, est-ce que tu sais que l'Europe n'est pas le paradis? Est-ce que tu sais que ce n'est pas forcément en Europe que tu vas réussir? Prochain serment à l'église. Vous prospérerez dans votre ville de naissance. Le Seigneur. Où quoi que je m'arrête? Il y a certains ici, je sais que vous concoctez. Vous voulez partir à Dubaï. Vous voulez partir. Alors que c'est le rêve que Dieu a mis dans ton cœur. Dieu a mis ça dans ton cœur. Que sauter jusqu'à. Pasticone. C'est pas avec tout le monde qu'on partage ses rêves, même son pasteur. Oh. Tu veux créer un business dans telle ville, pas dire encore là-bas faire. Tu vas laisser ta femme à qui? Hein? Un homme doit rester auprès de sa famille. Arrière de toi, Satan. Un homme doit. Papa, j'ai vu le travail là-bas, c'est pas là-bas 3 mois. J'établis mon business, je reviens ici rester avec madame. Non. Alors que le business allait tenir 50 millions. Les 50 millions, là, allez venir acheter mon 3 terrains que dans 3, dans 4 ans, tu vas vendre, ça va te construire l'immeuble. Et les pasticones aussi. Le premier arrive. Ma fille, tu sais, je vais toller la maison là cette mois. Hein. Oui, tu sais que c'est... J'ai déjà fini. Le terrain là, oui, je dois faire la fondation. Parce qu'on sait que tu vas bientôt payer la dîme. Le roi Wafo, je sens que toi et moi on doit parler. Parce que tu as beaucoup de rêves que tu as me dit. Ma femme va bientôt accoucher. Mes frères et mes fils en Christ. J'ai un jeune homme là que j'avais suivi un moment. Bonjour la reine Sandrine. Maman. Il y avait un prophète là qui le dominait. C'était trop malsain. C'était malsain. Et moi, quand je prêche à quelqu'un, moi, je ne te dis pas moi que fais comme ça ou fais comme ça. Moi, que t'es nion. Moi, que t'es nion. Il me dit, je vois le jeune talentueux. Je voulais travailler avec lui d'ailleurs. Je voulais qu'il vienne souvent former les gens dans mon centre. Je vois le prix qu'il demande, c'est trop petit. Je dis, mais non, tu as tellement de dons. Pourquoi tu formes petit comme ça? Il me demande pour une formation, il me demande de lui payer 100 000. Par personne, je prends 150 000. J'ai 10 personnes qu'il doit former. 1,5 million, je lui donne 100 000 qu'il a demandé. Je lui dis que tu vois, tu as les dons, c'est toi qui veux. Il me dit que son père spirituel. Hoppa. Oh. Quand le père. Donc quand il paie la dîme, le père, ça peut permettre au père de savoir que l'enfant a l'argent. Oh, Seigneur. Pardon, arrêtez de contrôler les gens. Arrêtez, pardon. Je vous en prie. Ouais, tu sais, on a besoin d'un sac de riz à la maison avec l'huile. Tu sais, l'huile est finie. Et quand tu ne fais pas. Oui, ça fait 3 jours que tu n'es pas venu à la maison. Ah, le Seigneur a dit, il ne faut pas fuir le rassemblement des frères. Do not forsake the gathering of the brethren. You know? Je travaillais, le pasteur, le papa, le père, mon père, je travaillais. Daddy, vous aimez les appeler Daddy, non? Daddy. Écoutez, il y a des gens qui m'appellent Momie aussi. Mais j'ai dit, moi, je dis toujours, je n'aime pas. Parce que j'ai subi des abus dans les trucs des ministères, là. Ce qui fait que. Il n'y a pas l'huile à la maison, hein. Il n'y a pas le riz. Parce qu'on a vu, il a déposé 50 000 de dîmes. Donc, il a fait sûrement un travail de 500 000. S'il a donné 50 000 de dîmes, ça veut dire qu'il lui reste 450 000. Ton père, ta mère spirituelle ne doit pas dire ses besoins. Tu n'es pas son Dieu. Va t'agenouiller, tu parles à Dieu. Vous m'entendez? Je vous le dis que chaque cas, je dis. Ne me tentez même pas. Tu es dans les prisons spirituelles là-bas. Dès qu'on fait 1 mois, on ne voit pas ta dîme. Mais ça fait 2 mois que tu travailles, non? Sœur Antoinette, je veux te parler dans mon bureau, s'il te plaît.
Oh Seigneur, tu fuis ta famille, tu m'as tombé encore dans l'autre prison. Te voilà. Oui, mon père. Oui, Daddy. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'étais pas au service. Écoutez, on doit vous laisser aller travailler. Si tu peux regarder ma vidéo en différé, c'est bien. Parce que si tu ne travailles pas, tu ne vas pas vivre. Maestro, c'est bien comme tu m'aimes, tu as compris. Vos affaires qu'on dit que tu dois être à l'église 4 jours, 4 heures par jour là. Chaque jour de la semaine là. Oui, tu as commencé à travailler le mois passé, oui. Est-ce que tu as un souci? Non, Daddy, je n'ai pas de souci. Tu sais que le Seigneur demande que tu payes ta dîme. Tu sais, tu dois payer ta dîme. Voilà, tu vois. C'est là que tu comprends là où Daddy voulait en venir. C'est là que tu comprends. Il a checké. Il a vu que tu n'as pas payé. Tu as des engagements financiers mensuels. Tu dois t'occuper de tes enfants. Tu dois t'occuper de ton père, de ta mère. Même si ton père a l'argent plus que toi. Tu as tout sorti, même 10 000, 100 000, 200 000. Papa, prends, on va t'acheter ta bière. L'argent que tu donnes à ton père. Mes potes ont commencé à s'ouvrir quand j'ai commencé à m'occuper régulièrement de mon père. Je vous dis, parce que ma mère a décidé. Maman, il faut voir comment il me bénit. Hey! Sa bénédiction dépasse pour le pasteur. Je vous dis. Il achète son whisky, mon père le whisky. Quand il est en train de boire, il filme. Il m'envoie la photo. Il dit, que le Seigneur te bénisse plus, plus. Oh Seigneur, le père là, je l'aime beaucoup. Après, il dit que je suis avec mon ami le commissaire, que tu le connais. Il dit, là, le vin aussi qu'on boit, c'est Jocelyne qui a acheté. Oui. Il dit que j'ai ri jusqu'à. Mon père et moi, on revient de loin, mais on revient de loin. Parce qu'à un moment, j'étais dans les églises réveillées. Et je pensais que je ne payais que ma dîme, je n'honorais pas mon père. Et tu vois, on revient de loin avec les enseignements spirituels, je ne vais pas vous mentir. Pour moi, je me disais, je fais l'effort, je paye ma dîme. Dès que j'ai payé ma dîme, c'est fini. Il y en a parmi vous, vous pouvez aller donner aux soeurs à l'église, vous donner au pasteur. Votre propre père est là, votre propre mère est là. Je dis bien, moi je dissocie pour moi. Ma dîme est différente de ce que je dois donner à mes parents. C'est différent de ce que je donne aux orphelins. C'est différent de ce que je donne à quelqu'un que j'aide comme ça. Ah, elle a engrossé ta vie. C'est quoi que tu disais, m'envoûter, elle a engrossé. Waouh. Le pasteur a engrossé ta. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Ok. Donc, ces enseignements me faisaient croire, tu n'as pas besoin de paix. Ce qui fait que pendant au moins les 8 ans que j'étais à l'église, j'avais développé l'habitude de payer ma dîme. Et ça faisait beaucoup mal à mon père, le fait que sa fille ne lui envoie pas même un peu d'argent. Mon père ne manque pas. Mon père ne manque pas. Ceux qui connaissent mon père parmi vous, mon père ne manque pas. Mais j'ai compris qu'il y a, il y a au fond de nos parents, il y a une bénédiction qui est cachée dans leur cœur là. Quand tu achètes son vin, son bon vin là, tu me donnes. Il va faire ton attalakou le jour là. Un jour que je serai avec mon père, je vais faire le dire, vous allez le voir. Mon père, c'est un autre. Aïe, Seigneur. Et il y a beaucoup d'églises qui vous ont séparé de l'amour de vos parents. Parce qu'on vous a dit que vos parents ne vous aiment pas. J'ai subi ça. Je vous le dis sincèrement. J'ai tellement d'années que j'ai perdu que je pouvais avoir avec mon père parce que je pensais que mon père ne m'aime pas.
Vous avez pensé que mon père doit donner sa vie à Jésus. Parce que je pensais que mon père n'a pas agi dans mon intérêt. Vous avez pensé que c'est ma nouvelle famille qui m'aime. Un jour, maman est venue, elle m'a expliqué son histoire, l'histoire de sa fille aussi. Je me suis tellement reconnue dans cette histoire-là. Elle me dit que sa fille est partie dans une église réveillée. Sa fille les a tous jetés. À un moment, j'étais comme ça. Elle les a jetés. Dans l'église, là, sa fille est tombée, elle est tombée malade. Elle a eu un cancer. Elle venait de Mbalbayo, je pense. Je l'ai vue en décembre et depuis là, je ne l'ai plus revue. Elle me dit que sa fille a eu un cancer. Et quand elle a eu le cancer, les gens, au début, les gens de l'église ont fait que la fille ne part même pas se soigner. Oh, on va prier pour toi. On va prier pour toi. Et après, quand sa fille est revenue vers elle, sa fille était déjà malade. Elle dit qu'à l'hôpital, et à l'église, on lui avait donné un fiancé. Quand elle tombe malade, le fiancé l'a fui. Dans les derniers jours de la vie de sa fille, elle dit que sa fille était sur le lit, elle pleurait seulement. Elle pleurait seulement. Sa maman dit que c'est quoi? Elle dit, maman, tous les gens de l'église là, ils sont où? C'est toi, ma mère, qui est finalement en train de me nettoyer. C'est toi qui es en train de me laver. Elle dit que les derniers jours de sa vie, sa fille s'est tellement repentie. Elle a senti la restauration pleine. Et il y a quelque chose quand tu as l'harmonie avec ta famille. C'est vrai que je vous enseigne toujours les familles Ticone et tout ça. Mais il faut être sage. Vous devez juste savoir ce que vous donnez, vous dites à votre famille. Papa, porter tout, tu vas avec ça à ta famille. Peut-être tu fais tes business, tu fais tes ici. Tu sais ce que tu gardes pour toi. Mais ta famille reste ta famille. Vous avez les mamans ticones que vous n'avez pas besoin de tout leur dire. Parce que ta mère n'a jamais fait, elle n'a jamais aimé quelque part qu'on te lave. Elle n'a jamais rien fait. Donc même jusqu'à présent, elle est toujours un peu. Mais ça n'empêche qu'elle construit sa maison. Construit sa maison. Envoie son agent. Tu peux acheter la voiture, tu mets le chauffeur. Elle sort aussi le matin comme ça, elle en a la voiture. Ça lui plaît. Chaque jour, elle se bénit son enfant. Que Seigneur bénisse mon enfant. Oui. Parce que pour certains d'entre vous, c'est la source de votre bénédiction. Certains d'entre vous, depuis que votre mère est morte, ça fait 20 ans, vous n'avez plus jamais envoyé quelqu'un au village pour elle. Envoyez, on passe sur sa tombe. On nettoie. On donne à manger aux gens en son nom. Vous demandez la messe d'action de grâce sur votre mère. Écoutez-moi, je vous dis sincèrement. Et la période où j'ai honoré ma mère, la même période là, je vais vous raconter quelque chose. Mon père, dans son bureau, il a une télé. Il avait une télé. Tu vois les vieilles télés qui sont enceintes là. Les télés qui sont enceintes par derrière là, avec le gros ventre de derrière là. C'est la télé là que mon père avait dans son bureau. Et mon père bavarde beaucoup. Mon père bavarde. J'arrive, il bavale. Un jour donc, le Seigneur me dit, achète une télé à ton père. Je dis, mais il est allé à la télé, non? Et je suis allé le visiter la semaine d'avant. Il avait la télé, tout allait bien. Sa télé marchait. Je reste, je résiste l'envie, je résiste. J'envoie un de mes petits. Il achète la télé, il achète le tout qui réduit la tension. Bonjour la reine, le roi Zéphirin. Le régulateur de tension, voilà. Il vient, il connecte, il câble mon père, tout ça là. Le jour où il arrive avec la télé, je viens avec lui. J'arrive à la télé de mon père, c'est gâté la veille. J'ai bataillé avec le Saint-Esprit la veille là pour acheter sa télé. Et c'est le jour où sa télé s'était gâtée. Mais il ne m'a pas dit. J'arrive, je trouve la télé noire. Je dis que c'est... Papa, qu'est-ce qui se passe avec ta télé? Il dit, ah, depuis hier, la télé ne marche pas. Il était lui couché sur le canapé comme ça, là. Il réfléchissait. Alors que souvent, quand il est dans son bureau, quand il n'a rien à faire, il regarde les films. Je dis que ça, là, l'histoire m'a tellement, comment dire, humble, ça m'a tellement humilié. Je ne sais pas comment dire, humble, ça m'a rabaissé, ça m'a, je ne sais pas comment dire.
Donc la veille, quand l'esprit m'a mis à cœur d'acheter la télé à papa, le jour là, l'ennemi avait planifié de gâter la télé de mon père. Donc quand je suis arrivé, je ne lui ai même pas dit que c'est l'esprit qui m'a dit d'acheter la télé. On a installé, il était content. Ha! Il a filmé, il a mis dans le groupe familial. Que voilà ma télé que ma fille a achetée. Vous savez, il y en a parmi vous, vous avez grandi loin de vos parents parce que vous pensez qu'ils ne vous aimaient pas. Moi, mon histoire avec mon père, on a une histoire un peu... Quand mon père me conçoit avec ma mère, il a 20 ans, elle a 18 ans. Le père de ma mère se fâche. Tu déroules ma fille, hein? Voilà, à cause de toi, elle doit arrêter l'école. Donc, quand on m'accouche, on met mon père en prison. Imaginez un jeune homme de 20 ans, on le prend le main en prison parce qu'on dit qu'il a gâté la vie de ma mère. Et je me rappelle quand elle était petite, mon père forçait pour venir me voir. Il vient avec les yaourts, tout cela. On pas dit à mon grand-père que mon père est venu. Il quitte de sa maison parce qu'il avait deux femmes. Il y avait ma grand-mère qui était la première femme, il y avait son autre femme. Donc on descend dans sa concession, lui dit, pendant que mon père là, il est venu me voir, ça là, mon grand-père vient, il le prend les yaourts là, il verse sur lui, il insulte, il le chasse. Ce qui fait qu'à un moment, mon père était frustré. Il a serré le cœur. Il m'a laissé avec ma mère. Il m'a dit que okay, je vous laisse l'enfant. Ce qui fait que il est resté à distance. C'est plus tard qu'il m'a raconté cette histoire. Mais quand il a raconté, ça correspondait avec ce que je voyais dans moi. Parce que j'avais des souvenirs. J'avais des souvenirs. Comment la nuit, je m'appelle une nuit en particulier, il est venu garer parce qu'il était transporteur. Il conduisait, il avait le taxi, après il a eu le bus, après il a fait son agence de voyage. Je me rappelle, il était venu garer la voiture. Je me rappelle, il y avait la voiture, il faisait noir, il y avait les yaourts, il y avait des gens qui s'engueulaient. Je devais avoir 3 ans. Et je me rappelle, je pleurais. Et ma mère me dit que j'étais le genre d'enfant, que quand je ne faisais une semaine, je ne vois pas mon père. Je ne vais plus manger. Il va tomber malade. Mof. Tant que je ne le vois pas. Et quand ils font ça, mes joues gonflaient. Ok, Seigneur. Mes joues gonflaient comme ça. Donc elle me portait. Elle ne disait pas son père. Elle partait chez mon père. Elle attend. Jusqu'à quand il rentre de voyage. Je le vois. Je commence à manger maintenant. Donc je pense que. Et j'étais son premier enfant. Donc je pense qu'il y a eu. Il y a eu un amour très intense entre nous deux dès le début. Mais cet amour aussi a été, on a été séparés. Donc on a été séparés comme ça. Tu sais qu'il y a les tanticones, il y a les onclicones. Et parfois, les gens ne vous donnent pas la vraie version. C'est quand tu grandis, ton discernement maintenant te permet de voir. En fait, si mon père n'a jamais vécu avec moi dans la même maison, parce que je n'ai jamais vécu avec mon père dans une même maison. Après ça, il s'est marié. Et bon. Dans les termes de son mariage, c'est sa vie là-bas. Donc, je ne suis pas allé vivre chez lui. Ce qui fait qu'il me voyait une fois toutes les 2 semaines chez ma grand-mère. Il venait, il me voyait. Donc, parfois, il y a des gens qui vont détester ton père, qui vont venir te dire des mauvais trucs sur ton père. Que voilà, ton père, si t'aimait, pourquoi il n'a pas fait ça? Si t'aimait, pourquoi il ne t'a pas pris chez lui? Si t'aimait, tu vois, des trucs comme ça. Sans le savoir, tu grandis en ayant des pensées, des arrière-pensées sur ton propre père. Ça, c'est mon cas. Ce qui fait que j'ai eu des saisons de ma vie. Bonjour la reine Pierrette. J'ai eu des saisons de ma vie où j'ai eu de la colère comme ça contre mon père. Ouais. Et mon père, c'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup. Si quelque chose lui fait mal, il ne va pas te dire. Il va seulement dire ok. Il te parle, tu ne comprends pas. Ok. Tu remarques seulement qu'il ne t'appelle plus, il ne parle plus. Tu l'appelles, tu dis va bien, tu vas bien papa. Oui, oui, ça va, ok. Et puis un beau jour, si tu as la chance, il ouvre son cœur et te dit. En 2009, alors vous êtes en 2021, hein? En 2009, le 14 août 2009, à 15h30. Ça c'est mon père là-bas. Tu m'as fait ça là, il te parlait, tu n'as pas suivi. J'ai dit, ok papa. Oh Seigneur, je reviens de loin, vous savez. À 15h, tu avais fait comme ça. J'ai dit, ah papa, nous sommes tu gardes ton cœur de pierre. Nous bénissons nos pères, nous bénissons nos mères.
Aïe. Mais la restauration, hein. Rien ne fait plus plaisir à nos parents. Ok, il y a aussi quelque chose. L'autre jour, ses lunettes étaient gâtées ou cassées, un truc comme ça. Je n'ai pas le visiter, il me dit, oh, mes lunettes, oh, mes lunettes. Je dis, ok, papa. Quand les lunettes, comme tu as commandé, là, quand ça arrive, tu me dis. Là, on voit l'argent, il paye ses lunettes. Il paye, il se filme, il m'envoie. Quand je regarde ça, le Seigneur me rappelle. De l'âge de 9 ans, entre 9 ans et 24 ans, je portais les lunettes. À 9 ans, vous pensez qui me payait les lunettes? C'était mon père. Et je me rappelle, tous les 3 ans, je devais partir chez l'ophtalmologue, on changeait mes lunettes. Et l'esprit m'a dit, genre, m'a fait genre, tout ce que tu sèmes, demain tu vas récolter. Et je lui ai fait le message, je lui ai dit que hier c'est toi qui m'achetais les lunettes, aujourd'hui c'est moi qui t'achète les lunettes. Et là, ça m'a ri, il dit, c'est ça la vie, ma chérie. C'est ça la vie. Il y a certains de vos parents qui ont dû bagarrer pour s'occuper de vous. Et on a refusé. Certains même qui sont arrivés en Europe, ils ont été séparés de vous tellement longtemps. Et quand vous êtes resté au pays, on vous a dit que ton parent ne t'aime pas, ta mère ne t'aimait même pas. Si elle t'aimait, pourquoi elle est partie et t'a laissé ici? À un moment, vous devez ouvrir votre cœur. Et vous laissez l'esprit vous montrer le vrai, vrai. Les bracelets sont disponibles, commandez seulement. Il y a les bracelets de 6 000 et 7 000. Voilà. Donc, il y a les roses, toutes les couleurs sont disponibles. Certains parmi vous, vous devez ouvrir votre cœur. Ma mère est déjà morte. Et vous savez aussi quoi? Même si votre père a déconné. Bonjour la reine sultane, je parle ça à toi ce matin. Même si votre père a déconné. Même si votre père c'est un fou. Ok? C'est votre fou. Vous me comprenez? Même si ta mère c'est une folle. C'est ta folle. Aime-la seulement comme ça. Certains d'entre vous faites les lavages de vos mains. Tu payes qu'on lave ta main à distance parce que tu sais que. Bon. Je l'aime comme ça, laissez seulement. Elle a fait de son mieux. Quand j'ai donné ma vie à Christ en 2011, j'ai commencé à écouter Pasteur Christ. Il parlait de guérison divine. Ça, c'est pour dire comment j'ai arrêté de porter les lunettes. Et j'avais un ex à l'époque qui me disait tout le temps que, est-ce que tu sais que tu peux guérir tes yeux? Ça peut guérir. Moi, je disais que non, je ne pouvais pas faire 2 jours sans porter les lunettes. Ah, il sait que j'aurais mal aux yeux. Un jour, il me dit, prends ta guérison que tu vas guérir. Et c'est bizarre parce que la même période, là, mes lunettes sont perdues. Jusqu'au jour, je ne sais pas où mes lunettes sont. Je suis sûr que c'est le gars-là qui avait pris mes lunettes. Il me dit, tu peux guérir des yeux. Donc, j'ai cherché mes lunettes. Je venais d'acheter, ça faisait peut-être un mois que j'avais acheté mes lunettes. Et je n'avais pas de sous la période pour acheter encore. Je reste aussi, je dis, ah, si Dieu peut vraiment guérir. Seigneur, guéris-moi alors. C'est comme ça que j'ai laissé mes lunettes partir. Depuis 2012, on est en 2022. Ça fait 10 ans. Alors que depuis l'âge de 9 ans, je n'avais pas les lunettes. Je portais les lunettes. De 9 ans à 22, 24 ans, j'ai porté les lunettes. Donc ça fait 10 ans aujourd'hui que je n'ai pas porté les lunettes. Et je n'ai même jamais eu envie ou bien... Il y a des périodes où ma foi baisse un peu. J'ai senti une petite douleur dans mon oeil comme ça, ça dit « Ah, tu vas porter les lunettes, ah, ah. » Après, je vais dire pourquoi jamais. My level is changing. Donc, c'est ça, c'est comme ça que j'ai été guérie de mes mal Dieu. Avant, quand je faisais deux jours sans mes... Quand il y avait le soleil, quand il y a le soleil comme ça, là, je sens les nerfs comme ça, ça pégait ma tête, ça m'a fait mal. Je dois rester dans la chambre, dans le noir, pendant une journée, je prends les paracétamol, avant que ça guérisse un peu, ça diminue. Mais là, je n'ai plus. Donc, comme je vous disais, il ou elle reste votre père, votre mère,
Et sachez que cette personne a fait de son mieux. Parce qu'on fait tous des erreurs. Hein. Et parfois, vous pouvez condamner quelqu'un sans savoir ce que la personne traversait dans la période-là. Parfois, certains de vos parents vous ont eu tellement jeune. Tellement jeune. Vous ne connaissez pas encore réfléchir. Il n'était pas, pas la sagesse. Excusez-moi. Donc, la personne te prend, t'envoie donc chez tel oncle. Parce que la personne n'a même pas l'argent pour s'occuper de toi. Rien. L'oncle te menace, sa femme te menace même pendant 5 ans. Il a fait de son mieux. Tu comprends, non? Moi, je reviens de loin. Et dans ma famille, il y avait toujours les gens qui cherchaient à me séparer de mon père. Il y avait trop de décepticons dans ma famille. Les cousins ticons. Il faut pas te dire, quand je fais un peu de conneries comme ça, là, on ne pas dire à mon père. Elle a l'enfant. Quand je suis tombée enceinte, ce n'est pas moi qui ai dit à mon père. Ce sont mes 17 qui comptent aller dire à mon père. Decepticon. Decepticon. Donc, vous ne. Vous ne perdrez rien à pardonner à vos parents. Ça va vous guérir, ça va vous guérir. Et puis, il y en a parmi vous, vous êtes costaud comme ça là. Mais vous avez besoin d'amour paternel. Hein. Tu as besoin que ton père te prenne dans ses bras. Tu as besoin que ton père dise mon bébé. Peut-être que tu as grandi avec ta grand-mère, tu n'as pas reçu d'amour. Moi, j'ai grandi avec ma grand-mère. Ma grand-mère a été. La fille de Calais, là, elle ne connaissait pas ça. Elle était câline, elle t'envoie où? Elle t'envoie où avec le Calais? Mouf. Rocher, elle dit Rocher, tu chies. Quand tu fais un petit comme ça, elle va bavader. Bavader. Il y a même ces parents-là qui vous détestent. Honorez-les. Un septicon. Pardon, expliquez. Si je dis cousin ticon, ça veut dire que c'est un cousin qui ne veut pas ton bien. Tanticon, c'est une tante qui ne veut pas ton bien. La reine Marie, j'ai dit ce qui me vient en cœur, tu as compris. Je parle selon les gens qui sont connectés. Tu comprends? Donc, ce sont vos énergies que je capte pour parler. Je suis très, très rarement carré sur mes sujets. Très. Donc, un septicon, un décepticon, c'est quelqu'un qui est là pour te décevoir. Oui. Il y a même les mariticons. C'est un mari qui ne veut pas tomber. Donc, je sens qu'il y a beaucoup d'entre vous, vous avez besoin de guérison. Beaucoup. Ce qui vous bloque, c'est la guérison intérieure. Vous connaissez, il y a toutes les lois de la prospérité. Vous connaissez la discipline. Vous connaissez tout ça, mais il y a un truc qui bloque. Vous payez la dîme, vous faites tout. Mais il y a l'amour de soi à l'intérieur, là, que vous n'avez pas laissé. Vous ne vous aimez pas. Vous ne vous aimez pas. Vous pensez que vous ne méritez pas l'amour. Et quand vous appréciez comme ça, vous dites, ah non, quoi même, rien que moi, regardez même, ah rien. Vous vous simplifiez. Tellement. Tellement. Bonjour la reine Fatou. Je t'ai envoyé un message l'autre jour, la reine Fatou, est-ce que tu as vu? Vous vous simplifiez beaucoup. Je parle de quelqu'un qui a peut-être 50 ans, 55 ans. Hein. Tu doutes beaucoup de toi, tu... C'est parce que dans l'enfance, tu n'as pas eu d'amour. Tu n'as pas eu d'amour dans l'enfance. Et du coup, tu es dû avec tes enfants. Tes enfants viennent même vers toi, parfois tu les rejettes. Tu les pousses un peu, tu les repousses.
tu les repousses. Je vois quelqu'un carrément que ton enfant, tu passes des jours sans parler à ton enfant. Tu passes des jours, vous n'avez pas de conversation. Alors que ton enfant est dans un moment très, très délicat de sa vie. Et parfois, tu te dis que tu vas te mettre devant l'enfant, tu vas parler de quoi, tu ne connais pas comment, tu ne sais pas comment commencer. Effectivement, certains d'entre vous, vous êtes même fatigués de vous battre. Vous êtes battus contre votre famille tellement, et vous ne comprenez pas comment je les aime. Mais ils ne m'aiment pas. Vous allez devoir apprendre à vous aimer d'abord. Tout l'argent que vous avez, vous passez le temps à leur donner pour qu'ils vous aiment. Parce que la plupart du temps, vous dites, ouais, je fais tout ça pour elle, mais elle n'est pas reconnaissante. Vous cherchez, vous voulez acheter l'amour. Mais arrêtez ça aujourd'hui. Vous avez suivi. Je sens envie de... Je sens... Vous avez beaucoup d'amour à donner. Parfois, quand vous faites les orphelins, vous partez sur l'orphelinat comme ça, là, vous embrassez les orphelins. Cet homme a voulu adopter parmi vous. Vous allez apprendre à vous aimer, vous suivez. Vous allez, certains vont traverser une période où vous allez vous reposer. Dieu va souvent te dire, va dans telle ville, tu prends une chambre d'hôtel. Tu dors toute la journée, tu éteins ton téléphone. Tu te réveilles le matin, tu pars, on te masse. Après tu reviens, tu te couches, tu dors encore. Les anges vont t'opérer pendant ce moment-là. Je sens beaucoup d'onction dans ce que je suis en train de vous dire là. Une onction de restauration. Je viens restaurer vos âmes qui ont été blessées par les personnes que vous aimiez. Je restaure vos âmes. Je vous restaure. Certains, vous allez devoir... Ouvrez votre cœur à nouveau, donnez une dernière chance à votre père, votre mère. Cette fois-ci, vous allez leur ouvrir votre cœur. Moi, avant, quand je parlais à mon père, je me fâchais beaucoup, je l'accusais. Sérieusement. Papa, tu ne m'aimes pas. J'ai eu des fois où j'étais tellement fâchée avec mon père. Papa, tu ne m'aimes pas. Tu aimes mes frères plus que moi, tu aimes mes soeurs plus que moi. Tu leur parles, toi, tu ne me parles pas, Et à chaque fois que je lui parlais, c'est tout ce que je lui disais. En fait, je jugeais mon père. Je pensais que je savais ce qu'il doit faire. Quand j'ai baissé mes barrières, j'ai compris aussi qu'il y a des parents qui ne savent pas comment vous aimer. Donc, il te voit, il ne sait pas s'il va t'embrasser, mais il n'a pas l'habitude de t'embrasser. Quand il était petit, il n'a pas eu l'opportunité de t'embrasser. Et il y a même certains de vos parents qui ne connaissent pas votre tempérament. Est-ce que vous savez ça? Parce qu'ils n'ont pas vécu avec vous. C'est même dans les 5 prochaines années que vous allez commencer à vous apprendre, à vous connaître. Donc, il ne connaît pas comment faire pour que tu ne te fâches plus. Il ne connaît pas. Tout ce qu'il sait, c'est seulement qu'une fois par mois, il te voyait, il envoyait l'argent des beignets, tu mangeais, tu appelais, tu dis « Papa, merci, j'ai reçu, c'est tout. » Voilà la relation que tu as eu avec ton père. Et tout ce que tu connais de lui, c'est ce qu'on t'a dit. Il y a eu une époque où je parlais avec mes petites soeurs, parce que mes petites soeurs ont vécu avec mon père. Mes petites soeurs ont vécu dans la même maison que mon père, elles ont grandi avec mon père. Et à un moment, j'étais même jalouse. Je ne sais pas, il y en a parmi qui me suivent peut-être. J'étais jalouse parce que je disais, quand je voyais comment elles parlaient avec mon père, je trouvais qu'elles avaient une complicité avec lui que je n'avais pas. Ce qui fait que je me disais que je suis que mon père ne m'aime pas. Mais quand Dieu a permis que je voie l'amour que mon père pour moi, parfois nos parents ne vont pas nous aimer comme on veut. Nos parents ne vont pas nous aimer comme on veut, genre, je t'aime. Non.
Et tu vas venir rester le matin. Il va t'appeler, grand, mais tu as bien dormi. C'est tout, hein. Mais... Mon père, souvent quand son fils est en train de manger, là, il filme, là, tu m'envoies. Il est en train de jouer au football avec ses amis. Il se filme au football, il m'envoie. Aïe. Oh, ça y est. Oubliez, s'il me demande la photo. Il dit, envoie-moi ta photo. C'est bizarre, parce que c'est comme si tu es adulte et on doit t'apprendre l'amour à nouveau. Je vous parle, je fais que j'ai les larmes qui vont revenir depuis là, parce que ce sont des parties de mon cœur qui ont dû guérir, qui ont dû... Parce que ça me bloquait beaucoup dans mes relations. Je ne pensais pas que... Parce que je croyais que mon père m'avait abandonné. Du coup, je ne pensais pas qu'un homme peut venir et m'aimer malgré moi. Parce que j'ai un caractère. Parfois, j'ai un sale caractère. Mes ex savent cela. J'ai un sale caractère parfois. Je ne savais pas qu'un homme peut venir et m'aimer. Tu vois. Ce qui fait que parfois j'anticipais même et je gâtais même le truc une fois. Je dis voilà, de toutes les façons, tu ne m'aimes même pas. Mais comment tu peux dire que je ne t'aime pas? Donc moi-même, je viens gâter parce que je ne veux pas être rejeté. Donc je rejette la personne en avance. Ça, c'était un truc que je faisais beaucoup. Maestro, tu as gagné ton ticket pour que je te supprime de ma page. Je vois tes inbox, tu es en train de faire des messages inbox en bas. J'aime pas quand on est en train de parler des trucs importants pour certaines personnes. D'autres personnes viennent, ils sont toujours intéressés par du n'importe quoi. Oui, j'ai dû me réconcilier avec moi-même. J'ai dû laisser mon esprit. J'ai dû me réconcilier avec moi-même. Oui. C'était un chemin. Et même dans tes relations avec tes clients, avec tes... Tu dis, ah, tel client ne peut pas m'aimer. Ah, il est seulement là parce que je lui fais telle chose. Après, il part. Je ne vais pas vous mentir que depuis que j'ai fait ce travail, le nombre de la quantité d'amour que je reçois, j'ai alors des soeurs jumelles là. Comme je vous dis que ma mère, quand elle a accouché trois enfants. Mais on est sortis dans trois ventres différents là. L'amour que les femmes là me donnaient, je dis que c'est quoi ça? Et les cadeaux alors que les gens me donnent, c'est tellement touchant. Moi, ça me fait plaisir. Peut-être c'est à 45 ans que tu vas apprendre à t'aimer et tu vas refaire l'histoire dans ta tête. Parce que dans ta tête, la première histoire, c'était que ton père ne t'aime pas. Tu vas devoir réécrire l'histoire. Parce que je ne vais pas vous mentir, il y a des gens dans votre famille qui n'aiment pas, qui n'ont jamais voulu que votre père et toi vous soyez bien. Il y a des gens parmi dans votre famille que quand ils voient même, et même mon père et moi, on a dû apprendre à s'aimer en cachette. Parce que j'avais des cousins avant là que quand je leur disais que je vais parler avec mon père, oh jalousie, oh. Oui, ton père m'a acheté le sac à main. Et quand il me dit comme ça, là, je dis, mais je lui, il ne m'a jamais rien donné. Pour... Tu vois, il y a un truc bizarre là. Il m'a acheté le sac à main. Ils font ça exprès. Sultan, ne te dérange pas, c'est un processus. Tu vas guérir. Je ne savais pas qu'il pouvait arriver à ce niveau. Je ne savais pas. Moi, avant, quand tu parlais de mon père, mouf, il était en beau champ. Je dis, pardon, qui t'avait ça? Donc, il y a certaines de vos tantes, par exemple, qui savaient que si ton père t'aime trop, il va beaucoup, dépenser beaucoup d'argent sur toi. Il ne va pas leur donner l'argent. Je vous dis, moi, aussi bête que ça. Donc, il faut qu'on te gâte un peu avec ton père, ou bien on gâte ta mère avec ton père. Comme ça, comme ton père est fâché avec ta mère, il ne va plus s'occuper de toi. Du coup, tout son argent va partir dans leur poche. J'ai vécu tout ça, oh, pardon. Je vous dis, moi, c'est moi. Traverser tout ça.
Si vous connaissez ce qui fait plaisir à votre père, achetez ça, vous lui donnez. Achetez, vous lui donnez. Et vous savez, tout parent aime l'enfant qu'il aime. Aussi bête que ça paraît. Et même si dans la jeunesse, le parent se comportait d'une certaine façon, quand vous êtes adulte et que le parent commence à vieillir, c'est là qu'il peut vraiment voir son enfant. Vous savez que dans certaines familles, il y a des enfants qui sont là seulement pour manger l'argent de père, non? Et certains vont même le pousser vers la mort. Ils vont venir le stresser. Il est malade, on ne l'amène pas à l'hôpital. Wow, wow. Tout ça pour qu'il tombe malade ou bien qu'il meure vite. Quand il meurt, on va discuter sa maison. Tu viens, tu les bouscules tous. Tu amènes le père à l'hôpital, tu le soignes. Tu soignes son pied qui était malade. Oh, tu remplis sa maison de trucs. Tu prends la ménagère, tu mets à la maison pour qu'elle se lève le matin et prépare la nourriture pour lui. Ça les énerve. Ça les énerve. Certains d'entre vous devaient vous battre carrément. Et certains de ces personnes-là, c'était les préférés de votre père dans la jeunesse. Mais ils ont entendu lui montrer maintenant. Ils lui montrent leur vrai visage. Faites seulement ce que vous avez à faire. Parce qu'il y a des bénédictions que c'est dans la vieillesse que certains parents rejettent. Donc, vous voyez peut-être Jacob. Non, Isaac. Isaac. Quand Isaac allait bientôt mourir, et je rappelle que quand Isaac, allez bien lire la Bible, quand Isaac a béni Jacob, quand tu vois Jacob a volé la bénédiction de son frère, il est parti. Son père n'est pas mort immédiatement. C'était juste la bénédiction de la vieillesse, c'était pas la bénédiction de la mort. Un jour, je méditais comme ça, je regarde, je m'attends un peu. La Bible dit que c'est des années plus tard que Isaac est mort. Donc, il y avait une bénédiction de la vieillesse dans lui qu'il fallait prendre. Donc, certains d'entre vous, il y a la bénédiction de la vieillesse que vous devez prendre chez vos parents. Et certains de vos parents, certains de vos parents vont vous bénir contre leur volonté même. Genre, comment ils peuvent même dire ça? Tu lui fais un truc, même sans vouloir, il sort seulement une parole. Oh, je t'ai béni. Oh. Ça annule toutes les paroles qu'il avait dit. Parce qu'on a parfois les parents qui comptent. Le genre de parents que, contre son gré, il te maudit toute sa vie. Wow, qui là-bas, tu vas jamais rien faire dans ta vie. Wow, regarde, bordel. Wow, wow, wow. C'est tout, toute ta vie, c'est ce qu'il a dit sur toi. Mais quand tu arrives à un certain âge, tu commences à lui faire du bien. Ses paroles annulent tout ce qu'il avait lancé comme mauvais sort sur toi dans ta jeunesse. Je vous dis que ça me vient à l'esprit seulement maintenant. Donc, je sens qu'il y a des gens qui vont être restaurés. Mais pour ma part, c'est quand j'ai déclenché mon père et ma mère, c'est là que j'ai vu une autre dimension sur mes portes qui se sont ouvertes. Donc comme je disais, certains d'entre vous, l'esprit me dit qu'il y a certains d'entre vos parents qui étaient manipulés spirituellement. Donc, le comportement qu'ils ont ou qu'ils avaient avec vous, ce n'est même pas eux. Maintenant, vous vous êtes libérés. Et le fait que vous reveniez vers eux, ça va les libérer. L'eau que j'ai bu au début du direct, c'est là, c'est déjà dans ma vessie. J'ai envie d'aller faire pipi. Ah, super Thierry, c'est bien. C'est bien comme ta femme t'a fait prendre conscience. Maintenant, vous devez savoir faire la part des choses. C'est très important. Parce qu'il y a certaines personnes qui n'ont Dieu que pour leur mère. Et leur mère n'aime pas leur femme. Donc, tu as une maman qui... Ta mère est tellement présente que ça gâte. Ça gâte ton mariage. Donc, sachez faire la part. C'est pour ça que je dis qu'il y a l'argent qui part à Dieu. Il y a l'argent qui part à ses parents. Il y a l'argent qui part aux orphelins. Il y a l'argent qui part. Donc, tu dois faire la part.
Que ta femme ne souffre pas parce que je t'occupe de tes parents. Que tes parents ne souffrent pas parce que je t'occupe de ta femme. Voilà. Bon. On a terminé. Je vous bénis, je vous bénis, je vous bénis, je vous bénis, je vous bénis. I bless you. I bless you. Je vous libère de toute malédiction générationnelle, tout ce qui avait fait sur des générations que vos familles ne s'entendent pas, que les parents ne s'entendent pas avec les enfants. Toute inimité qui était entrée entre les parents et enfants. Sur les générations dans votre famille. Je déclare que cela est brisé de votre vie. Je vous restaure. Je restaure votre relation avec vos parents qui sont encore vivants. Je demande que vos parents, qui sont, même s'ils sont décédés, qu'ils viennent, qu'ils apparaissent dans vos rêves, qu'ils vous disent qu'ils ne sont pas fâchés avec vous. Je dépose sur vous le pardon. Pardonnez-vous à vous-même. Écrivez ici là, je me pardonne. Je me pardonne. Je déclare que vous arrivez à vous pardonner de n'avoir pas, de ne vous avoir pas aimé vous-même. De ne pas vous être aimé. Vous comprenez ce que je vous dis. Pardonne-toi parce que tu ne t'es pas aimé, ok? Le français là, forgive yourself for not loving yourself, ok? C'est plus facile en anglais. Voilà. Forgive yourself for not loving yourself. Okay. Donc je rappelle qu'il y a le séminaire qui va se passer, le séminaire comment transformer ses dons en argent. Au Cameroun, ce sera physiquement. Donc la nuit de dimanche à lundi matin, c'est cette nuit-là qu'on va faire le truc. Et ailleurs, vous pouvez suivre en ligne. Tous mes séminaires se suivent en ligne aussi. Donc pardonnez-vous de vous avoir privé d'amour. Si pendant que je vous parlais, le Seigneur vous a mis à cœur d'aller vers quelqu'un, faites-lui un message. Envoyez-lui un cadeau qui lui plaît, quelque chose que la personne aime. Parfois même, ce n'est pas aussi des cadeaux seulement. Parfois, c'est juste une parole sincère que tu viens vers la personne donner. Genre, parce qu'il y a aussi des gens qui croient qu'ils peuvent acheter les autres. Certains d'entre vos parents sont très aisés. Donc, il y a un peu un truc que tu peux lui donner qui va faire que... Certains, c'est vraiment la parole sincère. Et puis quand vous faites, n'attendez pas un résultat immédiat. Voilà, j'ai fait rien, il s'est passé. Ah, de toutes les façons, laisse-moi me dire. Ne vous gâtez pas. You didn't hear me. You didn't hear me. Certains vont prendre une retraite. Vous allez partir en retraite spirituelle, vous seul. Partir en retraite spirituelle. Quelque part, vous allez vous asseoir là-bas, une journée, deux journées. Certains, vous devez aller faire un spa peut-être. Je demande la présence de la Vierge Marie, avec son onction de mère, qu'elle restaure l'amour maternel dans vous. Pour certains, vous allez commencer à aimer et à montrer l'affection à vos enfants. Vous allez montrer l'affection à vos enfants. Certains, ça va finalement libérer votre esprit pour que vous acceptez de vous marier et d'être heureuse. Je libère votre mariage. Certains, vous allez finalement vous permettre de concevoir parce que vous pensiez que vous ne pouvez pas donner d'amour maternel à quelqu'un. Donc je vous restaure, je restaure. Pendant cette journée que les anges vous parlent, que la Vierge Marie vous couvre de ses ailes, je mets l'amour sur vous. Pardonnez à vos parents. Aimez-les. Priez pour eux. On va le faire maintenant, ok? Priez pour ceux qui sont encore vivants. Allons-y. Seigneur, je prie pour mon papa. Je le guéris de toute maladie. Je mets de l'amour dans son cœur. De la joie pour cette journée. Je déclare que toutes ses affaires marchent. Je le restaure.
Je mets la paix entre lui et tous ses enfants. Je mets la paix entre ses enfants. Amen. Certains de vos parents sont dans des mariages où ils ne sont pas heureux. Je mets la paix dans le mariage de mon père, de ma mère. Pour certains d'entre vous, ma mère est déjà décédée. Mettez la paix dans le cœur de ce parent. Je déclare que c'est une saison d'amour entre vous et vos parents. C'est une saison de restauration. Toute âme qui avait été façonnée contre l'amour que vous étiez censé partager avec vos parents, je détruis ces âmes au nom de Jésus. Toute coquille qui avait été mise sur le cœur de votre père ou de votre mère, qui faisait qu'à chaque fois que vous parlez, vous avez des problèmes. Tout manipulateur, si un de vos frères a manipulé votre père ou votre mère, si vos parents étaient manipulés contre vous, je viens libérer votre parent de cette manipulation. Si c'est vous qui avez été manipulé contre votre parent, je vous libère de cet envoûtement et de cette manipulation. Je vous délivre au nom de Jésus. Si c'était la femme de votre père qui avait fait quelque chose pour que vous ne vous entendez pas avec l'autre père, je vous libère de tout envoûtement. Je vous libère de toute inimité entre vous et votre père et votre mère. Je vous libère de tout sortilège. Je viens, je vois des talismans qui sont en train d'être brisés. Il y a des choses qu'on avait enterrées dans vos concessions, pour qu'il n'y ait jamais la paix entre vous. Je viens détruire cela. Ange Michael, que tu déterres. Localise les vêtements qu'on avait accrochés sur les baobas pour détruire vos familles. On a écrit le nom de votre famille, on a enterré dans un petit cercueil. Je viens vous commander le souffle du Saint-Esprit de brûler cela au nom de Jésus. Ceux qui sont venus dans votre concession pour enterrer des choses contre votre famille. Ceux qui ont pris des épées maléfiques, des petites épées maléfiques. Ils ont attaché le nom de votre famille sur ça, en déclarant que vous aurez toujours la zizanie entre vous. Je viens détruire ces armes par la puissance du Saint-Esprit. Je vous libère des chaînes, des malédictions générationnelles, des chaînes de pauvreté. Je déclare que tous les enfants de votre père, c'est leur saison de prospérité maintenant. Vous-même, vous sortez de cette chaîne de pauvreté. Toute maladie héréditaire dont vous souffrez, vous avez reçu de vos parents, je vous en libère. Mettez la main sur le ventre, mettez la main gauche sur le ventre, là où il y a le nombril. Je coupe maintenant toute commande, toute télécommande à distance qu'ils ont, passant par votre nombril pour vous contrôler. Toute personne qui est allée là, on a enterré vos nombrils au village. Il a donné les malédictions, les incantations pour vous bloquer. Je viens vous débloquer. J'annule ces sortilèges. J'annule ces sortilèges. J'annule ces sortilèges au nom puissant de Jésus-Christ. Vierge Marie, Reine du Ciel, je viens déverser la pluie de bénédictions sur toutes ces familles. Je bénis votre concession au village. Si vous avez la terre de votre concession, si vous n'en avez pas, vous demandez qu'on vous donne la terre qu'on a prise à l'entrée de votre concession au village. Vous lavez avec ça pendant 3 jours. Vous déclarez que vous libérez votre vie, votre concession, votre famille, de toute malédiction ancestrale. Et vous déclarez que vous recevez l'abondance, la prospérité. Et vous libérez aussi vos enfants. Toute personne qui est venue enterrer un talisman sur la tombe de votre mère, la tombe de votre père, ou encore la tombe de vos grands-parents, pour attacher sa descendance, je déclare par la puissance du Saint-Esprit que ces talismans sont détruits. On détruit toute incantation qu'on a fait sur les crânes humains contre vous. Je les annule. Toute personne qui a utilisé les crânes de vos ancêtres pour vous faire du mal, elle est en train d'agir sur vous parce que vous êtes leur descendance. Je coupe. Comme vous avez déposé la main sur votre nombril, je coupe maintenant au nom puissant de Jésus. Tout serpent maléfique qu'il y a dans votre corps qui vous bloque, tout totem ancestral maléfique qu'on vous a passé, qui vous opprime, qui vous donne la paresse, la maladie, je déclare que vous en êtes libérés au nom de Jésus.
Certaines personnes, vous devez prendre de l'eau, vous bénissez cette eau. Vous allez boire l'eau là pendant 3 jours et vous versez l'autre partie dans la maison, au centre de votre maison. Et vous commandez à tout homme fort qui est dans votre maison de sortir. Vous versez aussi dans les coins. Si vous êtes dans un portail, vous partez verser aux 4 coins du portail. Si vous n'êtes pas dans un portail, mais dans un appartement, vous versez aux 4 coins de la maison. Dans chaque pièce, vous versez dans les 4 coins. Et vous déclarez que tout homme fort, tout ce qui part de cette maison, c'est comme si un portail, voilà, toute porte spirituelle qu'ils ont utilisée pour entrer dans votre maison dans la nuit et vous déranger, planter des choses dans votre corps. Vous fermez ces portes au nom de Jésus-Christ. Vous fermez par la puissance du Saint-Esprit. Vous pouvez voir la Vierge Marie là. Regardez l'écran. Vous la voyez? Vous la voyez? Ceux qui ont le don de vision, dites-moi où elle est. Allez-y. Dites-moi. Regardez l'écran. Je viens mettre un vent de paix sur votre maison. Effectivement. Là et là. C'est le bracelet. Waouh. Sur le chapelet. Je viens ouvrir vos dons spirituels. Je déclare que vous pouvez voir les chérubins. Je déclare que vos anges, vous pouvez les voir. J'active vos ailes qui commencent à pousser. Je restaure votre puissance qui a été volée. Votre puissance ancestrale qui a été volée. Je déclare que votre cœur s'ouvre. Toute personne qui avait fermé votre cœur avec le cadenas, je casse maintenant ce cadenas par la puissance du Saint-Esprit. Je viens casser maintenant au nom de Jésus. Je libère votre cœur pour que vous puissiez aimer. Mettez la main sur la poitrine. Par la puissance du Saint-Esprit. Je restaure votre capacité à aimer. Jésus était avec la compassion. Dieu est amour. Je commande à votre ADN de se restaurer, de la tête aux pieds. Que les anges vous opèrent maintenant. Je retire tout ce qu'on a planté sur vous dans la nuit. Les griffes d'animaux. Beaucoup de choses dans vos bras, les sangsues qu'on a déposées sur vos bras. Je recharge votre corps par la puissance du Saint-Esprit. Je restaure votre halo, votre halo. Faites ça 3 fois sur votre tête. Encerclez votre tête 3 fois. Certains d'entre vous, on me demande de vous dire d'acheter un foulard blanc. Vous devez envelopper votre tête le soir quand vous êtes à la maison, avec le foulard blanc. Vous suivez. Vous pouvez le faire pendant 3 jours. Certains vont mettre ça comme les musulmans, là, vous emballez toute votre tête carrément.
Touchez vos bras. Touchez vos bras. J'enlève tous les sensus spirituels qu'on a mis sur vos bras. Tous ceux qui volent votre énergie. Je ferme tout canal, toute porte, toute fenêtre qu'ils ont ouvert pour voler votre énergie. Je restaure votre chakra du cœur. Je restaure votre cœur. Chronique 4, verset 10. Ça, c'est la parole de quelqu'un. Je sens tellement la puissance sur moi là. Oui. Je vous bénis. J'étends vos limites. Je déclare que la main de l'Éternel, à partir d'aujourd'hui, sera toujours avec vous. Je vous préserve du malheur. Et je déclare que vous ne serez plus jamais dans la souffrance. Au nom de Jésus. 1 Chronique 4, verset 10. Le Saint-Esprit est en train d'arriver maintenant. Il est en train de vous porter. Il vous rend léger. Il s'envole avec vous. Holy Spirit, carry me, oh. Carry me. Holy Spirit, carry me, oh. Holy Spirit, carry me, oh. Take me higher, take me higher, take me higher, take me deeper, open the world to me, reveal Jesus to me. Votre don de guérison est en train d'être restauré. Vous avez le don de guérison dans les mains. Touchez l'écran. Que le même vent que Jésus a soufflé sur ses disciples, que vous le receviez. Certains parmi vous, il y a les... Vous avez des écailles qui sont en train de tomber de vos yeux. Des écailles. Certains, vous recevez le don de la parole, le courage. Vous allez avoir un courage maintenant pour parler. Vous allez parler à vos clients. Ils vont payer. Vous recevez aussi la puissance de commander les finances. On sonne les trompettes pour vous. On sonne les trompettes au ciel. Un peu comme quand on fait le mariage, on passe pim, 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 parler encore. Pim, pim, parler encore. C'est ce qu'on a de faire pour vous aussi là, actuellement. Pipi, pip, parlez encore. Pipi, pip, parlez encore. Voilà. Parlez encore. Il y a tellement d'énergie, tellement de puissance ici, actuellement, tellement.
Certains, il y a des araignées qui sont en train de sortir de vos articulations. Il y avait un mal de genou gauche là qui commençait déjà. Quand tu montais les escaliers, ça te faisait mal. Tu es en train de te restaurer. Mal de dos, colonne vertébrale, le cou. En train de te restaurer. Il y a des petits serpents, des petits vers de terre qui sont en train de sortir de vos corps là. Certains, vous allez faire caca, vous allez carrément voir des vers de terre. Je ne sais pas ce qu'on me dit de vous dire. Certains, vous n'êtes pas censé avoir vos règles aujourd'hui, mais vos règles vont venir. C'est des myomes qui sont en train de se dissoudre. Le Seigneur est en train de nettoyer l'intérieur de votre corps. On va parler de vous à travers les quatre coins de la terre. Vos dons vont se répandre ailleurs. Les gens vont parler de vous. Aux États-Unis, on va parler de vous. Vous allez vous placer au Cameroun, vous allez avoir les clients qui sont à l'étranger. Mais ils vont vous payer fidèlement. Ils vont venir prendre un an d'abonnement chez vous. Oh my God! Certains, vous devez repartir vous coucher, vous allez faire des rêves. Si vous êtes au boulot, ne partez pas dormir. Mais si vous en avez l'occasion, si c'est pas maintenant, c'est le soir, quand vous allez dormir, vous allez faire des rêves. Si vous me voyez, salut ma semaine dans votre rêve, vous passez. Je vous bénis. Je viens sceller ce que vous venez de recevoir. Apocalypse 3, verset 7. Toute porte qui a été ouverte par l'Éternel, personne ne peut la fermer. Toute porte qui a été fermée à l'instant par l'Éternel, personne ne pourra l'ouvrir. Toute délivrance que vous avez eue, je déclare qu'elle est permanente. Aucun démon qui est sorti de votre corps n'a le droit de revenir encore dans votre corps au nom de Jésus. Aucune malédiction ne vous avait été délivrée. Ne reviendra plus jamais dans votre vie, ni la vie de vos enfants. Pour toujours, je sais ceci par le sang de Jésus. Je sais ceci par le sang de Jésus. Je sais ceci par le sang de Jésus. Amen. Voilà. On n'a pas dormi. Donc, on va se voir au pays des merveilles. Ok? Quand on était petit, il y avait un truc là. Ordi, viens, Ordi. Je détestais le dessin animé là. C'était tellement bizarre. Certains, vous allez vous voir dans l'espace, dans vos rêves. J'ai envie de danser. Bon, allons dormir. Je vous bénis, je vous bénis. Oh my God. Oui, certains vous allez rôter, certains vous allez bailler. C'est comme ça. Quand il y a des esprits qui sortent, tu bailles ou tu rôtes. Je reçois vos bénédictions. Ok, namaste, je vous bénis.